fait, comment en parler justement, surtout dans le cadre des estivales de la question animale, parce que très souvent, en fait, on ne sait pas vraiment comment aborder le sujet, que ce soit par rapport aux gens qui n'ont aucune connaissance ou même par rapport aux médias. Enfin, il y a plein de façons de parler de ce sujet-là. Et du coup, je vais vous présenter un panorama à la fois de ce qu'est l'expérimentation animale et surtout des avantages ou des problèmes selon les biais qu'on choisit pour en parler, en fait. Et vous verrez que c'est pas forcément aussi simple qu'on l'imagine. Donc, bon, tout d'abord, en guise d'introduction, je vais pas me mettre devant le... Vous voyez bien ? Oui. Voilà. Il faut toujours garder en tête que c'est pas uniquement une question scientifique. Parce que très souvent, c'est cantonné à ça, et il faut vraiment avoir en tête que c'est aussi une question morale, et c'est ça tout le problème, et c'est justement ce que la communauté scientifique essaye d'évacuer très rapidement, et de cantonner l'expérimentation animale à une question purement technique. Et il faut savoir aussi que c'est une question de société, au même titre que plein d'autres problèmes de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on choisit de valider ou pas dans notre société, et comment est-ce qu'on choisit de vivre avec ça. Et à ce titre-là, comme c'est une question morale, une question de société, il faut savoir que tout un chacun a un droit de regard et a voix au chapitre, en fait. Et donc ça permet aussi de sortir de la seule légitimité scientifique qu'on a tendance à croire, en tout cas sur ce sujet-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Qu'est-ce que l'expérimentation animale ? Alors la définition est évidemment très lisse. Ça consiste à tester sur les animaux des protocoles scientifiques ou des substances pour mieux comprendre la physiologie d'un organisme et sa réponse à divers facteurs ou substances, et en vérifier ou évaluer l'innocuité ou la toxicité afin de prévoir son application sur l'homme. Donc dit comme ça, évidemment, on se dit c'est génial. Il faut savoir que ça concerne à peu près 12 millions d'animaux. Ça aussi, c'est des chiffres qui sont stables depuis une dizaine d'années. Alors ça augmente plus ou moins, ça varie en fonction des espèces. Mais il y a une stabilité, en fait, des chiffres à ce niveau-là. Donc 12 millions d'animaux par an dans l'Union européenne, environ 2 millions d'œufs en France chaque année. Donc c'est beaucoup pour des animaux qui sont totalement invisibles, et c'est beaucoup surtout pour des animaux que vous ne verrez absolument jamais, en fait. Et il faut savoir qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de personnes qui pensent que ça n'existe plus. Il y a eu beaucoup de débats sur la vivisection il y a 30 ans. Aujourd'hui, on en entend un peu moins parler. Et justement, beaucoup de personnes pensent que ça n'existe pas ou plus. Donc, c'est quand même des chiffres qui permettent de remettre les choses au clair. Les seuls chiffres officiels, justement, donc, qui viennent de rapports de la Commission européenne, donc tous les pays de l'Union européenne ont cette législation qui concerne en fait l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. C'est-à-dire qu'un lapin utilisé dans les laboratoires n'est pas du tout régi de la même manière par le droit qu'un lapin domestique. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est le même être, sauf qu'il n'est plus être sensible, comme c'est le cas pour un lapin domestique. C'est un lapin de laboratoire, donc c'est un animal utilisé à des fins scientifiques, et donc c'est toute une catégorie spécifique pour ces animaux-là. Les chiffres sont consultables en ligne, mais malheureusement, c'est un peu un écran de fumée, cette transparence-là, puisque c'est des chiffres qui ne parlent pas vraiment. Alors, on a un aperçu des espèces utilisées. En bleu, c'est les souris. Donc c'est vraiment la grande majorité des animaux utilisés dans les laboratoires de l'Union européenne. Ensuite, les rats. Donc, trois quarts, c'est souris rats. Voilà, ça, c'est à peu près fidèle à l'image qu'on en a. Mais après, évidemment, il y a toutes les espèces qui peuvent être utilisées, excepté les grands singes. Donc les grands singes, c'est les gorilles, les orang-outans, les chimpanzés, mais sinon toutes les espèces. Ça on n'imagine pas forcément, mais donc les chiens, les chats, les animaux de rente comme les vaches, les cochons, les carnivores aussi, même la faune sauvage peut être utilisée pour l'expérimentation animale. Les poissons, les animaux à sang froid, enfin, c'est extrêmement vaste, vraiment toutes les espèces. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on n'imagine pas forcément. Et dans les objectifs des expériences, c'est un peu petit mais je vais vous le lire, l'Union européenne donc met à disposition la transparence qui n'en est pas une finalement, puisque l'énorme pourcentage bleu, c'est 46%, c'est de la recherche fondamentale. Si je vous dis recherche fondamentale, j'imagine que vous n'avez aucune idée des expériences qui sont menées en recherche fondamentale, on ne sait absolument pas ce que c'est. Si on n'a pas fait d'études scientifiques soi-même. En vert, c'est 19%, c'est recherche et développement en médecine humaine, animale et dentisterie. Là encore, ça ne dit pas grand-chose.
et en violet 11% production et contrôle de qualité en médecine humaine et dentisterie. Donc c'est voilà, des intitulés qui sont finalement, on a l'impression d'apprendre quelque chose, en fait on n'apprend rien. Comment parler de l'expérimentation animale? En gros, il y a quatre angles d'approche que je vais vous expliquer. On peut en parler d'un point de vue scientifique. C'est ce qui domine très largement dans les médias et c'est aussi ce qui est mis en avant par la communauté scientifique. On peut aussi en parler par le droit, c'est-à-dire le biais législatif. Là encore, les médias aiment bien rester dans cette partie-là parce que du coup, c'est factuel. On a l'impression que du coup, on maîtrise les faits et qu'on est dans une objectivité. Vous verrez que ce n'est pas forcément le cas. Et ensuite, il y a deux autres manières d'en parler qui sont beaucoup moins présentes dans les médias et les discours sur l'expérimentation animale, qui est donc l'éthique ou même l'émotion. Alors là, dès qu'on parle d'émotion, qu'est-ce qu'on n'a pas dit ? On a l'impression qu'on est dans la subjectivité la plus totale. Donc tout d'abord, parler de l'expérimentation animale avec un angle scientifique. Alors il y a des bonnes raisons à le faire. Il y a deux associations, notamment Antidote Europe et ProAnima, qui défendent les méthodes alternatives à l'expérimentation animale, qui se sont positionnées sur ce créneau-là. L'avantage, donc, il y en a plusieurs. Tout d'abord, donc, s'attaquer à une pratique par sa principale justification, puisque vous le verrez, évidemment, c'est comme ça en fait qu'on justifie l'expérimentation animale, c'est parce qu'il y a une nécessité soi-disant scientifique. Ça permet aussi d'argumenter sur le terrain rhétorique des chercheurs, finalement on est un peu à armes égales, d'être écouté du grand public aussi en lui parlant de sa santé, parce que parfois les animaux ça ne l'intéresse pas forcément, et aussi introduire les motivations financières des laboratoires et même proposer des solutions scientifiques concrètes. Je vais détailler chaque point. Tout d'abord, s'attaquer à une pratique par sa principale justification. Ça, c'est ce que met en avant le GIRCOR, qui est donc l'organe de défense de l'expérimentation animale en France. Il a un site qui est très, très bien fait, et donc il explique notamment que grâce à la recherche animale, puisque c'est la terminologie qui est utilisée, on a toutes ces découvertes-là donc, depuis 1901 jusqu'à 2011. Le but, c'est de mettre en fait, le citoyen dans une position de « effectivement, on ne peut pas s'en passer ». Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on ne souhaiterait pas bénéficier de toutes ces découvertes-là. Ce que disent les associations qui sont justement sur le terrain scientifique opposé à l'expérimentation animale, c'est qu'il faut être très vigilant par rapport à ce type de discours, notamment parce que dans les recherches qui ont été faites, on ne sait jamais exactement ce qui est lié à l'expérimentation animale, puisque de toute façon, elle est obligatoire. C'est-à-dire que finalement, la logique n'est en fait qu'un faux argument, puisque de toute façon, toutes ces recherches-là passaient de toute manière sur les animaux. Donc on est incapable de discerner finalement si on aurait pu faire autrement et si la découverte qui a été produite est liée directement ou non à la recherche sur les animaux. Et c'est pas du tout évident de faire la distinction. Et notamment, André Ménache avait prouvé que la découverte, enfin tout ce qui avait été fait sur les stents cardiaques était notamment brandi comme une victoire grâce à l'expérimentation animale. Et finalement, en creusant un petit peu, on se rendait compte que pas du tout, la contribution du modèle animal dans cette découverte-là était absolument nulle. Donc ça permet aussi de relire l'histoire médicale d'une autre façon. Évidemment, ce n'est pas accessible aux citoyens et à tout un chacun, puisque c'est un peu du cas par cas. Mais donc, il faut être assez vigilant quand on déclare qu'une découverte est liée directement à l'expérimentation animale. Et ensuite, il faut être aussi vigilant par rapport à ce qu'on a pu faire, parce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, certaines méthodes alternatives n'existaient pas, qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. Donc, ce n'est pas l'application du passé au présent qui vaut... justement un argument recevable quoi. Donc c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre et finalement faut vraiment le prendre avec des pincettes. Évidemment l'autre bénéfice de cette approche, ça permet d'argumenter sur le terrain rhétorique des chercheurs. C'est ce que fait Antidote avec notamment ce slogan en disant que les humains ne sont pas des rats de 70 kilos et que le modèle animal n'est pas forcément un modèle viable. Donc on se retrouve dans un débat scientifique qui permet évidemment de remettre en cause la justification de l'expérimentation animale, et ça c'est plutôt assez facilement compréhensible par les citoyens ou par même des gens qui n'ont pas de connaissances scientifiques.
Il suffit de montrer des cas, notamment, où il y a eu des échecs, et on comprend très bien le problème scientifique posé par l'expérimentation animale. C'est ce qui permet donc d'être écouté, en fait, du grand public, parce qu'il n'est pas forcément réceptif à la question animale, et donc quand on lui parle finalement de sa santé et notamment des échecs, que ce soit donc les effets secondaires qui ne sont pas prévus sur les médicaments, mais aussi potentiellement les bénéfices dont on se prive, parce que certaines substances sont toxiques sur les animaux et ne le sont pas sur l'homme, donc il y a un double effet pervers par rapport à ça. Effectivement, ça permet au grand public de prêter une oreille à un sujet qui ne l'aurait pas forcément intéressé sinon. Donc c'est un argument qui est tout à fait fort, en tout cas, et qui permet de remettre en cause une pratique scientifique. Et notamment, donc, Thomas Hartung, qui est toxicologue, donne cet exemple de l'aspirine en disant que l'aspirine ne serait pas découverte aujourd'hui avec les protocoles actuels, puisque quand on applique la dose létale médiane, la DL50, c'est-à-dire on pousse les doses pour faire mourir 50% d'une population animale, les rats meurent en fait avec les doses d'aspirine. Donc ça ne passerait pas en fait l'expérimentation animale, donc on se priverait de l'aspirine aujourd'hui. Donc c'est des exemples forts qui parlent assez facilement au grand public. Ça permet aussi, en fait, cet angle scientifique d'introduire les motivations financières des laboratoires. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que, du coup, comme on est sur un débat scientifique, on comprend que, effectivement, la recherche n'est pas une recherche neutre et objective, et ça permet de nuancer le rôle de toute la recherche pharmaceutique qui est faite. Notamment par rapport aux effets secondaires, qui ne sont pas du tout ignorés par les laboratoires. Ils en tiennent compte dans la recherche et développement et dans les plans d'amortissement des médicaments, à savoir que entre le moment où un médicament est mis sur le marché et le moment où il sera retiré du marché, la latence va permettre d'amortir financièrement ce médicament. Donc tout ça est très connu en fait, il n'y a pas de secret par rapport aux effets secondaires qui vont se révéler sur l'homme et qui étaient imprévus sur les animaux. Donc parler de l'expérimentation animale de manière scientifique, ça permet aussi de remettre en question l'expérimentation animale en tant que vision assez philanthropique. On a toujours l'impression que quand on parle de scandale pharmaceutique, ça ne touche pas les expériences sur les animaux, alors que c'est extrêmement lié. Et les gens ne font pas le lien. Et c'est ça qui est dramatique, parce que on a l'impression que la recherche sur les animaux est complètement dépourvue d'intérêt. Or, quand on pose la question justement de la recherche menée dans un intérêt financier, on comprend tout à fait que l'exemple du cancer est pertinent, puisque le cancer, notamment les cancers pédiatriques, n'intéresse absolument pas les laboratoires pharmaceutiques. Aucune recherche n'est faite sur les cancers pédiatriques, très très peu, c'est vraiment ridicule, simplement parce que ça n'est pas une recherche rentable. Donc, quand on donne cet exemple-là, on comprend bien, finalement, que il n'y a pas de gentils laboratoires qui font du mal aux animaux pour sauver des enfants malades, alors que c'est cette vision-là qui est très récurrente dans le discours qui soutient l'expérimentation animale. En l'occurrence, la proportion des expériences qui concernent le cancer, c'est autour de 5%. C'est vraiment très peu par rapport à la vision globale qu'on en a. Donc, ça pose aussi la question de la priorité qu'on a sur les maladies, et vous comprendrez bien que toute la recherche qui est faite sur les animaux, elle vise évidemment à émettre sur le marché des médicaments que les gens vont prendre toute leur vie, régulièrement, tous les jours si possible, c'est encore mieux, et surtout avoir justement cette commercialisation derrière. Donc, finalement, on se retrouve dans une situation où la souffrance animale est mise en perspective avec des intérêts économiques qui ne sont pas menés par rapport à la santé des gens, mais simplement avec une rentabilité et un retour sur investissement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est jamais souligné dans le cadre de l'expérimentation animale. Et ça permet tout de suite de remettre en cause l'utilité et la nécessité de l'expérimentation animale. De même, la surproduction des médicaments, je l'évoque rapidement, ça permet notamment de produire ce qu'on appelle des me-too, c'est-à-dire des refontes de médicaments. Il n'y a pas de nouvelles molécules qui sont découvertes, mais simplement on recrée, si vous voulez, des médicaments à partir d'autres choses. Mais ces médicaments-là, pour être commercialisés, ils ont besoin d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Et donc, en amont, c'est des expériences. En quantité, par rapport aux expériences, c'est à peu près donc ce ratio-là, 10 000 molécules testées pour 10 médicaments candidats et pour un seul qui va être autorisé à la vente. Donc chaque nouveau médicament, en fait, en amont, génère énormément d'expériences.
Et c'est pas du tout justement pour un mieux-être de l'humanité, alors que les gens ont vraiment ce préjugé qui est extrêmement ancré. Donc, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans cette logique commerciale des laboratoires pharmaceutiques, qui est extrêmement présente dans l'expérimentation animale, il y a une logique de concurrence. Et par rapport à la concurrence, en tout cas, les laboratoires déclarent que les expériences et les résultats des expériences sur les animaux ne peuvent pas être mutualisés. Concrètement, aujourd'hui, on a plusieurs laboratoires qui mènent des expériences similaires au même moment, simplement parce qu'ils sont dans une logique concurrentielle. Or, sur les essais cliniques sur l'homme, donc les essais cliniques, c'est la phase après l'expérimentation animale, c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de logique concurrentielle, les résultats négatifs sont publiés et sont accessibles. Donc on pourrait tout à fait envisager d'exclure aussi l'expérimentation animale de la logique concurrentielle des laboratoires, en fait. Et ça éviterait tout un tas d'expériences redondantes. C'est vraiment une piste qui pourrait être explorée, et je pense que la logique concurrentielle des laboratoires peut se faire sur plein d'autres domaines, tout en excluant les animaux et la recherche sur les animaux qui est faite. Donc ça encore, ça fait partie de tout ce pan en fait commercial et financier de l'expérimentation animale. Et enfin, le dernier avantage de cet angle scientifique, c'est bien évidemment de proposer des solutions concrètes et des méthodes alternatives. Je vous en ai mis quelques-unes, c'est pas du tout exhaustif, mais ça permet en fait d'avoir un levier de proposition. Parce que c'est ça qui est très compliqué par rapport à l'expérimentation animale, c'est de dire, bon, très bien, on se passe des animaux, mais comment remplace-t-on les animaux en fait par d'autres méthodes? Et informer le grand public sur ce qui existe et ce qui se fait, et aussi la communauté scientifique, parce qu'elle n'est pas forcément au courant des nouvelles méthodes sans animaux, ça permet notamment de pallier, de proposer une solution concrète à ce problème-là. Donc ça, c'est les avantages de, justement, aborder par l'angle scientifique l'expérimentation animale. En revanche, il y a plusieurs problèmes qui se posent avec cette logique-là, et ça me paraît important de les souligner, puisque finalement, c'est cet angle-là qui prédomine vraiment dans le débat. Tout d'abord, quand on se positionne finalement face aux chercheurs sur leur propre domaine qui est la science, c'est un aveu de reconnaissance de légitimité. Ça veut dire, vous n'êtes pas chercheur, vous ne pouvez pas avoir un avis sur ce sujet-là. Et ça, c'est quand même très problématique. Ensuite, traiter de la nécessité de l'expérimentation animale au cas par cas, c'est presque une nécessité, parce que dès qu'on se situe dans un débat scientifique, on est obligé de vraiment de faire du cas par cas, maladie par maladie. Et enfin, ça sous-entend finalement que si l'expérimentation animale n'est pas permise, ou en tout cas justifiable, c'est parce qu'elle n'est pas efficace. Donc ça voudrait dire que si elle était efficace, il n'y aurait pas de problème. Donc c'est quelque part vraiment le souci et le point faible de cet angle-là. S'accorder à dire que seuls les scientifiques sont légitimes, évidemment c'est tout ce que la communauté scientifique veut, puisque ça permet d'exclure évidemment tout le milieu associatif, toute la société civile, et finalement on se retrouve avec une communauté qui défend vraiment à l'immense majorité l'expérimentation animale, parce que ça fait partie de son histoire et de sa formation aussi. Il y a tout un conditionnement en fait des chercheurs qui évacue complètement la remise en cause de cette pratique-là, et c'est extrêmement fort. C'est-à-dire que la hiérarchie, l'autorité qu'il y a dans ce milieu-là, évacue la possibilité de remettre en cause ou de faire de la sensiblerie. Et à partir du moment où un chercheur n'est pas d'accord avec certaines expériences qui peuvent être extrêmement cruelles, il va préférer changer d'unité de recherche plutôt que remettre en cause ce qui se passe. Donc finalement, les pratiques perdurent, il n'y a pas de remise en cause du milieu. Donc ça c'est un vrai souci. De même, donc quand on parle évidemment d'arguments scientifiques, on se retrouve à parler de cas par cas, et très rapidement dans le débat on va vous dire, oui mais il y a certaines maladies, on ne peut pas faire autrement. Et c'est la faiblesse de cet argument là du coup scientifique, parce qu'effectivement on prétend que vous êtes censé connaître absolument tout, ce qui est vraiment impossible, et même les chercheurs, dès qu'on les sort de leur domaine de compétence ou d'expertise précise, ils n'ont pas forcément idée de ce qui se passe dans un autre domaine. Mais à partir du moment où vous remettez en cause l'expérimentation animale, on s'attend à ce que vous ayez réponse à tout, sur tous les protocoles, toutes les maladies, et que vous ayez absolument toutes les méthodes substitutives à proposer.
Et on va essayer systématiquement de vous bloquer sur des cas problématiques, notamment Parkinson ou Alzheimer, qui sont des maladies neurodégénératives, et on va vous dire « Mais voyons, on a évidemment besoin d'un animal entier, d'un organisme vivant, d'un système. C'est bien gentil vos organes sur puce, mais ça a ses limites. » Et finalement, c'est très compliqué de répondre à ça si on est uniquement sur l'argument scientifique. La réponse, c'est que quand même, il y a des méthodes alternatives qui existent, même sur ces maladies-là, et que, pour l'instant, les traitements qui ont été trouvés sur les maladies neurodégénératives ne sont pas transposables à l'homme, et on ne sait absolument pas si elles le seront un jour. Donc, c'est aussi facile d'essayer de bloquer avec des exemples qui, finalement, pour l'instant, n'ont aucune application sur l'homme, et on est vraiment dans l'impasse par rapport à ça. Et encore une fois, la recherche qui est faite sur Alzheimer ou Parkinson vise vraiment l'émission de traitement qui va permettre une commercialisation assez massive avec une population qui justement est vieillissante en Europe. Ça tombe bien, le marché est donc assez large. Voilà. Ça permet ensuite, justement, cet argument scientifique, le problème, c'est que ça sous-entend que parce que, justement, l'expérimentation animale n'est pas efficace, c'est pour ça qu'elle n'est pas justifiable. Et donc, quand on regarde les domaines de recherche, il faut s'attendre à essayer de comprendre tout ce qui se fait et à essayer de trouver une faille, en fait, à chaque fois pour pouvoir remettre en cause l'expérimentation animale. Et c'est là la grande faiblesse de cet argument-là. Notamment parce que la recherche fondamentale, donc c'est les 46% que vous avez vu au début, la recherche fondamentale ne peut pas être mise en question, puisque c'est une recherche qui n'a pas vocation à être appliquée sur l'homme. On cherche pour chercher, si je le résume de manière un peu triviale. Donc finalement, c'est impossible de remettre en question et de dire c'est inefficace, puisqu'il n'y a aucune vocation, ça n'est pas du tout la recherche appliquée. Donc cette recherche-là, on va vous dire, voilà, on a besoin de faire un protocole de recherche sur, les brûlures d'œsophage sur le rat, et puis on ne les a pas fait sur le chien, on va le faire sur le chien, et c'est impossible de remettre ça en cause, en fait, puisque le but du protocole, c'est les brûlures de l'œsophage sur le chien. Donc c'est très compliqué de dire c'est inefficace, ou ce que vous faites n'est pas justifiable, puisque c'est une recherche qui n'admet pas, finalement, la contradiction. Et donc c'est l'énorme faiblesse de cet angle scientifique, en tout cas. Ensuite, on peut parler de l'expérimentation animale de manière juridique. Alors ça aussi, les médias en général sont assez friands, parce que ça permet de faire la part entre ce qui est légal et ce qui est illégal. C'est souvent la première question qu'on pose, est-ce que c'est légal ? Comme si le fait que ce soit légal permettait de tout justifier. Donc la première chose, c'est effectivement de regarder si ce qu'on fait est légal et si les pratiques, aujourd'hui, respectent en tout cas la réglementation européenne. Alors évidemment, les élevages, par exemple, d'animaux de laboratoire, c'est tout à fait légal. Donc c'est ce que vont vous dire les éleveurs, notamment ceux que j'ai rencontrés. On est dans notre bon droit, puisque, et c'est même une obligation pour la société d'avoir des animaux de laboratoire, puisque aucun médicament ne peut être commercialisé sans expérimentation animale. Pour rappel, donc forcément, on se dit, bah oui, ils sont incritiquables sur la légalité de leurs pratiques. De même, les laboratoires vont vous dire c'est une obligation légale, donc ils sont même obligés d'expérimenter sur les animaux avant de commercialiser les médicaments, donc ils vont vous dire c'est une obligation, donc vous n'avez rien à nous reprocher là-dessus. Donc il faut essayer, quand on prend cet angle juridique, de regarder là où ça n'est pas légal, là où il y a des pratiques qui ne respectent pas le cadre, en tout cas, de l'Union européenne. Et ça arrive, notamment, moi, quand j'étais dans un laboratoire où on travaillait sur les primates, les singes n'avaient pas d'eau dans les cages. Ça, c'est pas légal. Donc, c'est très simple, du coup, à démontrer. C'est une logique très carrée qu'il faut adopter. Et c'est absolument donc illégal. Et pourquoi les singes n'avaient pas d'eau dans leur cage ? Parce que c'était la récompense, en fait, aux expériences qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils faisaient les expériences, ils avaient une pipette, et du coup, ils avaient de l'eau, comme ça. Donc, c'est pratique. Donc voilà. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on peut essayer, en tout cas, de regarder. C'est, j'ai envie de dire, la première étape dans ce qu'on peut faire. Ensuite, ça permet de poser la question, est-ce qu'on a le droit, évidemment, est-ce que vous avez le droit de faire ça, notamment sur les singes ? Ben non. Le problème, c'est que évidemment, il n'y a pas d'inspection, tout est en interne, les vétérinaires sont internes au laboratoire, il n'y a pas de contrôle inopiné non plus. Donc, évidemment, comment dénoncer ça ? Il faut avoir la preuve, enfin, ça n'arrive jamais, en fait.
Voilà. Et évidemment, l'intention juridique, c'est d'éviter ce genre d'abus. Mais comme je vous le dis, même dans les élevages, il n'y a pas de contrôle inopiné. Donc encore une fois, il faut avoir les preuves que quelqu'un vous avoue qu'il n'y a pas de contrôle inopiné pour montrer que justement tout est bien huilé en fait dans ce système pour qu'il n'y ait aucune dénonciation de l'illégalité en tout cas. Mais bon, en tout cas, l'avantage de cet angle juridique, c'est en tout cas d'essayer de permettre à la législation d'évoluer. Et d'être, on va dire, un peu plus contraignante. Moi, c'est pas du tout mon point de vue, c'est un point de vue qui est très welfariste, hein, de dire on va essayer d'agrandir les cages ou ce genre de choses. Sur la notion de taille de cage, en l'occurrence, le fait qu'il y a effectivement une réglementation qui est passée sur ça et qui a imposé en fait des cages un peu plus grandes pour les rongeurs, la répercussion que ça a eue sur les laboratoires, c'était un coût financier très lourd. Parce qu'en fait, ça demande plus d'entretien, plus de litière, plus de manutention. Et donc finalement, ça les a incités aussi à réduire le nombre d'animaux. Donc de manière indirecte, on avait visé en fait le bien-être animal, même si c'est ridicule d'en parler dans ce contexte. Et finalement, ça a influé directement sur l'économie des laboratoires. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et les problèmes de l'angle juridique, évidemment, comme je vous le disais, c'est que la législation est de façade, et je vais détailler un petit peu ces points-là. Le nivellement éthique se fait évidemment par le bas. On sous-entend que si le droit devient trop contraignant, les expériences se feront ailleurs. Et enfin, un argument que j'aime beaucoup, qui est l'argument de l'esclavage, est assez proche des problématiques de cet angle-là. Tout d'abord, la législation, c'est une législation de façade. Donc, je vous disais évidemment les abus qu'on ne peut pas dénoncer, notamment la privation d'eau pour des animaux, c'est très compliqué. Mais il faut aussi imaginer qu'il y a des comités d'éthique qui ne servent à rien. Alors pourquoi les comités d'éthique ne servent à rien ? Simplement parce que les membres de ces comités d'éthique, l'intention du législateur était tout à fait louable, ils sont, en fait, c'est les chercheurs. Donc du coup, ils ont vraiment, il y a deux personnes qui sont extérieures, qu'ils appellent des candides, mais qui n'ont évidemment aucun poids en fait dans les décisions. Les protocoles commencent bien souvent avant d'avoir la validation du comité d'éthique, donc parce qu'on sait que ce sera validé. Et donc ça, c'est un sondage, un extrait de sondage que je m'étais procuré dans un laboratoire où ils demandaient en fait si le fait que les comités d'éthique deviennent obligatoires allait changer quelque chose aux pratiques qui se faisaient. Puisque c'est devenu obligatoire avec la nouvelle directive européenne. Et 71% des chercheurs ont répondu non, ça ne changera strictement rien, parce qu'avant c'était facultatif. Donc le fait de soumettre de manière obligatoire son protocole à un comité d'éthique, ça ne change rien, en fait. Voilà. Donc finalement, on se rend compte que c'est pas seulement une vue de l'esprit. Le comité d'éthique, c'est vraiment un écran de fumée. De même que les 3R ou les points limites. Les points limites, c'est en fait la théorie qui incite les chercheurs à arrêter l'expérience quand ça devient trop douloureux. Le problème, c'est qu'en fait, il y a des expériences qui nécessitent de la douleur, et même de la douleur extrêmement sévère, que ce soit les brûlures ou même la recherche fondamentale sur la douleur. Je vous laisse imaginer ce que c'est. Donc, évidemment, on comprend bien qu'on ne peut pas administrer des antidouleurs quand on fait souffrir un animal, puisque c'est le but de la recherche. Donc les points limites à ce moment-là, ça n'existe plus. Voilà, ils sont évacués. Et les chercheurs me disent c'est aussi très compliqué de savoir quand est-ce que les animaux ne vont pas bien, puisqu'en fait ils ne vont jamais bien. Ils sont prostrés, frustrés, dans leur cage, recroquevillés, ils claquent des dents, ils ont un état en fait chronique de souffrance qui fait que les points limites sont difficiles à identifier. Donc voilà, ça c'était des mises en place par le législateur qui finalement n'ont pas grande efficacité. Et donc les animaux de laboratoire sont bien traités de toute façon, c'est ce que dit la législation en disant regardez, on a mis en place tout un tas de choses pour essayer de bien traiter des animaux qu'on va faire souffrir. Donc c'est tout à fait cohérent. Et effectivement, c'est l'image que renvoie le type de société comme SAFE, donc, qui est une société de litière pour les animaux de laboratoire. Puisqu'il y a tout un tas d'acteurs, il n'y a pas seulement les laboratoires, ça c'est aussi très important de comprendre, parce que l'expérimentation animale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, elle fonctionne comme un réseau de gens qui ont tout intérêt à ce que ça perdure, et même à ce que le nombre d'animaux augmente, puisque c'est leur source économique.
Donc SAFE, cette société totalement inconnue du grand public, travaille avec Huntington Life Science, qui est un énorme laboratoire, c'est donc une multinationale. Et donc voilà le type d'image que vous avez sur les sites internet de ce genre d'entreprise, respire le bonheur et les vacances. Vous verrez absolument pas d'animaux de laboratoire là-dessus, et ça évidemment contribue à laisser croire que les animaux de laboratoire sont bien traités. Autre exemple, celui-ci, où les souris, donc de la société Braintree Scientific, qui est une société qui commercialisait le matériel pour les expériences, donc des plaques chauffantes, enfin ce genre de choses. Voilà, elle met en scène en fait les souris qui font leur commerce elles-mêmes du matériel de laboratoire. Tout est fait vraiment pour évacuer la souffrance et pour évidemment déculpabiliser les chercheurs aussi qui contribuent bien sûr. La souffrance elle est vraiment énorme par rapport à tout ce qu'on peut faire comme expérience. Il faut vraiment s'imaginer les conditions de détention des animaux de laboratoire. Ils naissent évidemment d'élevages spécialisés, mais ça ne remet en cause nullement cette pratique, parce qu'on va vous dire oui mais on les capture pas comme avant c'était le cas, les chats errants ou les chiens errants, il y a 30 ans on faisait ça, maintenant c'est plus le cas. C'est des animaux qui naissent malades, bien souvent, quand c'est des maladies génétiques, ou alors ils ont des défenses immunitaires qui sont inexistantes, justement pour être plus sensibles au protocole. Ils verront jamais la lumière du jour de toute leur vie. Ils vivent dans des cages qui sont petites. Pour des rongeurs, ça va encore, la taille des cages. Pour des singes ou des chiens, c'est très compliqué. Ils sortent pas. Et la souffrance est chronique. C'est-à-dire qu'ils ont mal tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comparable à une douleur de dents, à des migraines, à ce genre de choses. Quand on l'a, on se rend compte à quel point c'est désagréable. Évidemment, c'est très compliqué de s'en rendre compte par rapport à cette souffrance qui est perpétuelle en fait pour ces animaux-là. Et ensuite, il y a évidemment les expériences. Donc, quand on dit que les animaux de laboratoire sont bien traités, on fait seulement référence au fait qu'on ne tape pas dessus. Ou au fait que, et encore ça arrive, puisque la relation est assez violente, surtout quand les animaux ne veulent pas coopérer, et on est évidemment dans une relation de domination qui parfois aussi frôle le sadisme, ça arrive, ça n'est pas du tout une généralité, mais ça existe. Un mode de fonctionnement ou de parole, d'adresse par rapport aux animaux qui est extrêmement violente, c'est-à-dire des insultes, moi j'ai entendu quelqu'un dire à un singe « tu vas voir ce que tu vas prendre aujourd'hui » ou ce genre de choses. Donc évidemment le singe ne comprend pas, mais ce que je veux dire c'est que la relation est très violente. Et voilà, donc la législation, le cadre législatif ne transcrit absolument pas ça. Le nivellement éthique se fait évidemment par le bas quand on parle de la législation, puisque finalement la législation elle nous dit aussi que les primates ne peuvent subir que des expériences qui sont strictement nécessaires à la santé humaine. Donc c'est aussi l'aveu qu'il y a tout un tas d'expériences qui ne sont pas strictement nécessaires à la santé humaine. Donc quand on pose cette question là on n'a aucune réponse. Je l'ai posée plusieurs fois, même à la radio j'ai eu aucune réponse par rapport aux chercheurs qui étaient en face de moi. Personne n'a envie de parler de cette phrase qui est dans le texte de loi, donc ça c'est intéressant parce qu'on se dit justement on a un aveu noir sur blanc de quelque chose qui est quand même scandaleux il n'y a pas de réponse en face. Donc c'est vraiment à la limite un levier pour le débat qui peut être intéressant. De même, un autre levier, c'est celui des grands singes. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, les grands singes ne sont pas du tout... ils sont exemptés des expériences, et ils le sont pour des raisons morales. C'est-à-dire qu'ils le sont parce que leurs capacités cognitives et sociales sont bien trop développées et bien trop proches de l'homme pour en faire des cobayes. C'est pas dit comme ça dans le texte, mais en tout cas, c'est clairement souligné que c'est par rapport à leurs capacités cognitives et leurs aptitudes. C'est pas du tout pour des questions scientifiques. Alors que c'est justement le meilleur modèle, c'est eux en fait qui sont vraiment les plus proches de l'homme. Donc si on était cohérent, il faudrait faire toutes les expériences sur eux. Et justement, on n'est pas du tout cohérent puisqu'ils sortent complètement du cadre législatif. Donc là aussi, il y a un levier et c'est quelque chose de très important. Et quand j'ai posé cette question-là à un chercheur récemment, dans un débat à la radio, il ne savait pas quoi répondre et il m'a répondu, accrochez-vous, on ne pourrait pas faire tout sur les grands singes parce que parfois, on a besoin de travailler sur les mollusques ou les feuilles mortes ou ce genre de choses.
Et c'était, et voilà, et du coup le présentateur lui a dit c'est pas du tout la question qu'on vous pose, et effectivement il y a un vrai malaise sur ça, de même que sur le fait que on ne puisse faire sur les primates que des expériences strictement nécessaires. Donc il y a quand même des choses dans le texte législatif qui méritent d'être questionnées et qui mettent vraiment à mal l'expérimentation animale. Enfin, bon, donc évidemment, ça sous-entend que si le droit devient trop contraignant, les expériences se feront ailleurs. C'est déjà le cas en Suisse, où il y a plusieurs laboratoires qui avaient eu des interdictions d'expériences sur des primates et qui les ont faites en Chine. Donc c'est une réalité, on ne peut pas nier ça. En revanche, c'est pas du tout comme ça que le droit fonctionne, et évidemment, c'est pas du tout comme ça qu'il y a un progrès juridique dans la société. Si on fonctionne comme ça, à ce moment-là, on remet absolument plus rien en cause ni en question, et du coup, on abolit complètement le progrès juridique. Donc ça n'est pas un argument. Évidemment, le but, c'est qu'il y ait un progrès global, et c'est aussi ce qui se passe. Donc ça permet d'avoir quand même de l'espoir, c'est-à-dire que la Russie a fait des progrès au niveau de l'expérimentation animale, la Chine et l'Inde ont aussi fait des progrès par rapport à ça dans les derniers mois, les États-Unis ont publié des textes aussi par rapport à l'expérimentation animale, donc il y a plein de choses, quand on suit vraiment l'actualité juridique de ça au niveau mondial, il y a quand même un effort et une évolution. Donc c'est quelque chose de très lent, qui n'est pas forcément perceptible, mais en tout cas ça mérite évidemment d'aller dans un progrès juridique et pas de dire sinon si ça devient trop contraignant ça se fera ailleurs. Et enfin, l'argument de l'esclavage, évidemment, ça c'est le gros problème de l'angle juridique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on entérine une pratique en disant que c'est légal et que finalement les esclaves seront bien traités, on remet plus du tout en question l'esclavage en lui-même, c'est-à-dire que on conçoit que ça existe et finalement on se rend compte que on ne questionne plus la pratique à partir du moment où on choisit de l'encadrer. Et c'est ça, à mon sens, l'écueil principal de cet angle-là juridique. À partir du moment où on est parti dans un débat où on parle d'antidouleur ou de taille des cages, on ne remet plus du tout en question la présence même des animaux dans les laboratoires. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que du coup, ça veut dire qu'on l'accepte, finalement. Donc, c'est encore une fois, l'esclavage était régi par le code noir et aussi par une logique économique. Donc, il y a beaucoup de points communs par rapport à ça, dans la rhétorique en tout cas. Et évidemment, c'est pas parce que c'est légal que c'est moral ou éthique. Et c'est pas parce que c'est encadré que ça ne remet pas en question donc, la pratique. Donc, c'est vraiment le point où il faut être extrêmement vigilant. Et alors ensuite, il y a deux autres angles qui sont beaucoup moins abordés, notamment l'angle éthique. Alors ça, on n'aime pas trop en général dans les médias, parce qu'on dit « oulala, l'éthique, chacun a son éthique », comme si c'était vraiment très subjectif, alors qu'en fait, pas du tout. La moralité n'a rien finalement de personnel quand on l'étudie un petit peu. Et donc il y a trois avantages. S'attaquer à une pratique justement par sa moralité et son immoralité aussi. Et ça permet de poser la question de quel droit, fait-on ça, évidemment, puisque c'est pas dans quelles conditions, mais de quel droit fait-on subir ça aux animaux. Et ça permet aussi de reconnaître le problème principal qui est posé par l'expérimentation animale, quelle que soit sa finalité, c'est-à-dire qu'elle soit efficace ou non. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on parle dans le cadre d'un débat scientifique. Donc tout d'abord, s'attaquer à une pratique par sa moralité, c'est comprendre sur quel principe ça repose. C'est un principe très clair d'instrumentalisation par rapport à l'infériorité d'autrui. Donc on choisit en fait de trouver des caractéristiques communes qui vont nous permettre d'expérimenter, parce qu'il faut quand même que le cobaye nous ressemble, mais aussi des caractéristiques qui vont justifier son infériorité. Donc ça fait vraiment partie de l'expérimentation médicale de tout temps, c'est vraiment quelque chose qui est très fort, en tout cas dans la médecine occidentale, d'instrumentaliser le plus faible, pour en retirer ensuite un bénéfice pour la communauté de celui qui expérimente en fait. Donc c'est vraiment une question d'instrumentalisation d'autrui pour retirer un bénéfice, donc c'est quelque chose d'extrêmement égoïste et immoral. Et la logique de l'expérimentation médicale a notamment donc, pris toujours des êtres inférieurs, c'est-à-dire alors avec diverses justifications, des orphelins, des prostituées, des déficients mentaux, des homosexuels, des juifs, une logique raciale aussi qui a sous-tendu l'infériorité.
Donc il y avait toujours un critère en fait qui permettait de dire des prisonniers aussi, des condamnés à mort. Enfin, donc il y a toujours ce critère-là d'infériorité qui permet de dire autrui peut être cobaye en fait et tout va bien parce que il a justement cette distinction-là qui nous permet d'avoir un rapport de domination. Et pour les animaux, c'est exactement la même chose. En fait, aujourd'hui, ils sont cobayes, justement, par leur infériorité. Donc, on attaque directement, en fait, avec l'argument éthique, la pratique par sa raison d'être. Ça permet donc de poser la question, de quel droit fait-on ça? C'est-à-dire, on va vous dire, oui, l'homme est supérieur. Un chercheur m'avait dit, notamment, si les rats étaient à notre place, ils feraient la même chose. Donc, j'ai aucun problème à faire ce que je fais. Je suis né homme, ils sont nés rats, tout va bien. Et finalement, ça permet d'évacuer toute la charge de culpabilité qu'il y a aussi sur les chercheurs. Parce qu'il ne faut pas croire que ce sont tous des sadiques. C'est pas du tout le cas. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont très mal à l'aise avec ça, qui ont beaucoup de moyens de mettre de la distance par rapport aux animaux, de les voir comme du matériel de laboratoire, d'être conditionnés pendant, évidemment, toute leur formation, par rapport à leur hiérarchie aussi. Mais ce qui revient systématiquement, c'est la supériorité humaine. Et de dire, nous sommes les plus forts, donc nous arrogeons le droit de les instrumentaliser, de toute façon, ils sont à notre merci. Il y a un chercheur qui m'a dit, de toute façon, ils ne se plaignent pas. Donc, c'est des arguments qui paraissent vraiment naïfs et très irrationnels, parce qu'en plus, ça vient de personnes qui sont extrêmement rationnelles. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans un domaine qui est complètement irrationnel pour évacuer la culpabilité. Et la supériorité humaine, j'insiste beaucoup là-dessus, qu'on soit supérieur ou non, en fait, la réponse, elle est exactement la même. Et c'est ça qu'il faut vraiment, je pense, bien dire autour de soi, parce que si on est supérieur, alors évidemment, on ne le sait pas, ou peut-être que chacun a sa croyance par rapport à la supériorité de l'homme sur les animaux. Il ne s'agit pas de rentrer dans un débat théologique avec son interlocuteur du tout, mais de dire, voilà, si on est égal, on n'a pas le droit de faire ça, et si on est supérieur, au contraire, on a un devoir envers les êtres qui sont à notre merci et qui sont vulnérables. Que je sache, on ne torture pas les personnes âgées ou les enfants parce qu'ils sont à notre merci. Au contraire, le droit les protège. De même, pour les gens qui ont des déficiences mentales, ils sont protégés, ils sont reconnus en tant que personnes. Donc, c'est exactement cette logique-là qu'on devrait appliquer aux êtres qui sont vulnérables et à notre merci. Supériorité ou pas. Donc, la réponse est la même, finalement. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'opposition possible par rapport à cette argumentation-là, en fait. Et de comprendre que notre société n'est pas régie par... en tout cas, juridiquement et en théorie, elle n'est pas régie par la loi du plus fort. On s'oppose tout le temps à la loi de la jungle, et c'est pour ça qu'on instaure une société et qu'on arrive à vivre ensemble. Je ne vois pas pourquoi l'expérimentation animale restaurerait justement la loi du plus fort subitement. Et notre rapport aux animaux est malheureusement trop souvent dans cette exception. De même, ça permet aussi de questionner les expériences de psychologie qui sont faites sur les animaux, puisque là, on peut se demander quel est le critère qui va nous permettre de faire la différence avec l'infériorité. On en parle très peu, c'est-à-dire que les gens imaginent que voilà, l'expérimentation animale, c'est uniquement physiologique. On parle trop peu de la psychiatrie. Alors que c'est des expériences qui sont vraiment terribles. Et notamment, quand on pense aux expériences de psychologie, on comprend bien que le postulat de base, c'est la proximité et la communauté psychique, en fait. C'est bien qu'on a quand même une communauté de souffrance psychique, puisque sinon, ces expériences n'auraient pas lieu. Si on ne reconnaissait pas aux animaux les mêmes capacités que nous, psychologiquement ou psychiatriquement, on ne ferait pas ces expériences. Donc, où est le critère? Il n'y a plus de critères, en fait. Il n'y a plus de critères d'infériorité, même physiologique ou anatomique. Et ça, c'est extrêmement dérangeant aussi. Et c'est quelque chose où il y a un réel malaise par rapport à ça, en tout cas dans les chercheurs qui expérimentent sur les animaux. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Et enfin, donc cet angle éthique, ça permet bien évidemment de reconnaître le problème qui est posé par l'expérimentation animale, quelle que soit sa finalité. Pourquoi ? Parce que quand vous posez la question autour de vous,
aux gens sur l'expérimentation animale, ils vont vous dire bon bah pour les médicaments je suis d'accord mais pas pour les cosmétiques. Et on a l'impression que c'est très scindé en fait. Or ça ne se passe pas comme ça, c'est-à-dire que les expériences de toxicologie elles sont pas scindées en deux, d'un côté les médicaments, de l'autre les cosmétiques. C'est beaucoup plus flou. Et quand bien même, voilà, les gens imaginent souvent ça, ils imaginent moins tout le reste, à savoir les pesticides, les polluants agricoles, les produits ménagers, les crèmes solaires, les additifs alimentaires ou même les armements nucléaires, bactériologiques et chimiques qui sont testés sur les animaux. Il y a un laboratoire qui est spécialisé sur ça, qui ne fait que de la recherche militaire sur les animaux de laboratoire en Suisse pour l'Union européenne. Et du coup, évidemment, ça permet de remettre en cause une pratique qu'on pensait utile parce que c'était pour les médicaments notamment, ou inutile parce que c'était pour les cosmétiques. C'est pas du tout aussi clair que ça. Notamment en recherche fondamentale, comme je vous le disais, il n'y a pas d'application. Donc il n'y a pas de cadre donné d'une application directe. Quand on parle d'éthique, on sort justement de ce problème de finalité de l'expérimentation animale, puisqu'on questionne la pratique dans sa globalité. Et enfin, dernier angle qui est extrêmement critiqué, et c'est pour ça que je vous le présente en dernier, parce que c'est celui sur lequel tout le monde fait un bond en arrière en disant « Oh là là, ne nous parlez pas d'émotions surtout, nous sommes des êtres de raison ». L'argument, en fait, enfin l'angle émotionnel en tout cas, pour parler de l'expérimentation animale, il est systématiquement évacué et il est cantonné aux associations. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez montrer des photos un peu choquantes ou ce genre de choses, on va vous critiquer une faiblesse argumentative en vous disant voilà, vous souhaitez choquer les gens et les émouvoir, et du coup ils n'ont plus leur jugement en fait. Or c'est complètement faux à mon sens, parce que au contraire, à mon sens, c'est l'angle le plus efficace, parce que finalement on s'attaque à une pratique qui est violente par sa violence. Il y a un moment, il faut arrêter de travestir la réalité, je pense, et il faut arrêter de changer le vocabulaire, puisque c'est quelque chose qui est extrêmement pernicieux et courant par notamment les chercheurs, la communauté scientifique. Et ça permet aussi d'introduire de l'empathie, ce qui est quand même caractéristique de l'être humain, que je sache. Tout d'abord, s'attaquer à une pratique violente par sa violence même. Évidemment, dans les médias, vous voyez systématiquement ce genre de photos. Donc, on vous présente ça et on vous dit on va trouver des remèdes pour vos problèmes de santé, ou pour ceux de vos enfants, ou pour ceux de vos grands-parents. Comment ne pas être d'accord par rapport à cette argumentation et à ce type de photos ? Ça, pour moi, c'est une souris d'animalerie qu'on achète pour ses enfants, pour être une souris domestique. C'est pas une souris de laboratoire, c'est pas vrai, c'est faux. Les images sont complètement fausses. Et finalement, quand on parle d'angle émotionnel, il s'agit simplement de montrer la réalité telle qu'elle est. C'est pas travestir justement la réalité, c'est au contraire éviter ça. Et de même, voilà, ce type d'illustration qu'on trouve sur des sites de recherche animale, puisque c'est le terme employé pour décrire les expériences sur les animaux. Donc ça c'est extrêmement faux. Et finalement c'est la vision majoritaire, malheureusement, de cette pratique-là. Je pense qu'il faut vraiment montrer les choses, et très souvent on disait oui, vous allez parler de l'expérimentation animale, mais s'il vous plaît, pas de Photoshop ou pas ce genre de choses, parce que c'est trop dur. Mais je pense qu'il y a un moment, il faut quand même affronter ce que c'est et ce dont on parle, parce que c'est fondamental que les gens se rendent compte de quel degré d'horreur on est en train de parler. Ça, c'est une chaise de travail, alors une chaise de contention. Alors une chaise de contention, c'est un mot qui est finalement assez joli pour chaise de travail aussi, c'est très répandu. Donc les singes sortent pour travailler, évidemment, tout le vocabulaire, toute la sémantique est celle de la coopération, du travail des animaux, ce genre de choses. On préfère parler de tests que d'expérience, voilà. Ça fonctionne en fait, évidemment, ça bloque donc les chevilles, enfin les poignets, le cou, le torse des singes. Et ce qui se passe, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les singes refusent de sortir en fait la tête de ces chaises-là. Donc, comment on fait ? Dans le laboratoire où j'ai été, on les prive de nourriture.
Donc on les installe comme ça, on les prive de nourriture et on leur donne uniquement la nourriture par le haut pour qu'ils sortent la tête et qu'on puisse bloquer la tête au niveau du cou. Et les singes résistent, donc ils s'affament, c'est extrêmement violent. Les chercheurs disent que même pour eux c'est très dur émotionnellement. Finalement, quand le singe n'en peut plus, il conçoit de sortir la tête et de manger, puisqu'on ne lui donne que par en haut, et du coup d'avoir le cou bloqué. C'est comme ça qu'on appelle la formation des singes et des primates de laboratoire. Donc, il faut aussi nommer les choses, et je pense que mettre des images, parfois, ça permet de dire, voilà, ce dont on parle, c'est ça. De même, la toxicologie, c'est ça. Voilà, la toxicologie, c'est extrêmement violent, c'est un mot qui est beau, voilà, c'est très lisse, et c'est extrêmement cruel, et ça peut aller extrêmement loin dans le protocole, puisque les points limites ne sont pas forcément respectés, en tout cas ils sont laissés évidemment au jugement, en tout cas des chercheurs. Donc c'est notamment sur les yeux des lapins, ça peut aller jusqu'à la disparition totale de l'œil, enfin c'est quelque chose qui est vraiment innommable et qu'on ne se représente pas. Donc comprendre ça, c'est évidemment remettre des images en face des mots, tout simplement. Je pense que c'est pas faire un biais émotionnel qui justement pervertirait le débat. Et enfin, la dernière image, c'est celle de la recherche fondamentale, qui est celle-ci. La recherche fondamentale, notamment, c'est un exemple de recherche fondamentale. Il y a plein d'autres choses qui se font, puisque en termes d'imagination, on est sans limite. Et notamment, donc, ce singe, ils sont tous ouverts au niveau du crâne. Ils ont un implant, en fait. Et ça permet, en fait, quand on les sort, donc dans les chaises que vous avez vues, de connecter en fait, le cerveau directement et de voir ce qui se passe. Ensuite, de suivre sur un écran ce qui se passe dans le cerveau du singe. C'est ce qui sert au test de vision, par exemple, pour comprendre la vision, voilà, ce genre de choses. Et évidemment, les maladies neurodégénératives qui sont faites aussi sur les primates. Donc, tout ça est extrêmement violent. Quand on dit recherche fondamentale, je ne pense pas que les gens aient cette image-là en tête. Et c'est pour ça que c'est important de le dire et de le montrer. Enfin, ça permet d'introduire de l'empathie, c'est-à-dire renverser les situations aussi, se dire si vous étiez à leur place, que feriez-vous, comment vous sentiriez-vous, est-ce que vous avez déjà subi une anesthésie générale, est-ce que vous vous souvenez quand vous vous êtes réveillé d'une anesthésie générale, dans quel état vous étiez, une forte migraine avec beaucoup de bruit autour, est-ce que vous savez ce que c'est. Voilà, ça c'est des questions que j'ai posées aux chercheurs, pas aussi frontalement, mais aux animaliers de laboratoire, et qui sont extrêmement glissantes, puisque du coup, ils font tout pour ne pas se mettre à la place des animaux. Et évidemment, je pense que le grand public, c'est la même chose. Il faut vraiment avoir recours à ça pour essayer de faire comprendre ce dont on parle. Et à mon sens, c'est vraiment la première étape du débat avant de partir dans un débat scientifique sur lequel la plupart des gens ne maîtrisent pas grand-chose. Et justement, ça permet en fait le débat scientifique d'évacuer tout ça. C'est-à-dire qu'on va vous parler de protocoles, d'organes sur puce, c'est très bien, mais on n'a pas fait la première étape en fait. Et la première étape, c'est de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Et l'empathie, je pense, elle arrive systématiquement quand on remet les choses à leur place et qu'on arrive à les nommer correctement et à les décrire. Et à ce moment-là, on ne parle plus du tout de l'expérimentation animale de la même manière, avec qui que ce soit. Et enfin, je voulais vous montrer une courte vidéo parce que je pense qu'elle est assez parlante au niveau de la toxicologie. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Il n'y a pas de son, mais je vais vous la montrer avec le son de l'ordinateur, même si ce n'est pas vraiment idéal. Je vais essayer de... J'espère que vous allez quand même entendre. Ça a fait vraiment usage d'anthropomorphisme et du coup, c'est vraiment pour moi l'illustration parfaite de se mettre à la place d'eux. Et je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel et ce qui manque sur ce débat qu'est l'expérimentation animale. What are we doing here? A test about pesticides to determine their level of skin noxiousness. Good. We sometimes get really sick with that muck. That's not for us, it's for the farmers. So as they don't damage their hands with it. Oh shit! What's the test then? It's called the Dreyer's test. You've done it before? Yeah, once. And does this take long? Depends.
3 days? 2 weeks? 2 weeks? But you die before the end, often. Well, what the fuck is this test? They put the studied product in your eye, and they wait for the reactions. At the beginning, you scream in pain, but very quickly you lose your voice. And as you can't move, well, there is nothing to do. Ça, c'est de la toxicologie. Donc, effectivement, je pense que montrer les choses, ça peut être utile, pas forcément en montrant, comment vous dire, des images qui seraient insoutenables pour les interlocuteurs, parce qu'effectivement, je comprends bien que les gens, enfin, les enfants, ou, voilà, c'est très compliqué. En revanche, je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point de transcrire la réalité. Et je pense que les associations, en fait, moi, j'avais vraiment ce doute avant de faire mon enquête, c'est-à-dire que je me demandais à quel point c'était fidèle à la réalité. C'est extrêmement fidèle, malheureusement, à la réalité. Et, excusez-moi, je suis un peu émue. Et... Ah, pardon. Et malheureusement, c'est extrêmement fidèle à la réalité, et je pense que c'est pour ça que c'est extrêmement révoltant, et que... Je vais y arriver. Et qu'il faut justement fuir tout ce qu'on va essayer de vous dire, en tout cas, sur le fait qu'il faut évacuer l'émotion, parce qu'on est censé ne pas en avoir alors que c'est faux, et que justement, c'est un débat qui ne peut pas évacuer l'émotion. C'est vraiment impossible, et je suis désolée. Et en tout cas, je pense que c'est la grande erreur qui est aujourd'hui et qui pâtit justement, enfin dont l'expérimentation animale pâtit, c'est que quand on parle de ce débat uniquement scientifiquement ou juridiquement, ce qui était du coup la première partie de ma présentation, on ne touche pas à la réalité. On touche à ce qu'on aimerait uniquement regarder. Et ça arrange finalement tous ceux qui ont envie de justifier cette pratique en essayant de vous faire croire que c'est strictement nécessaire et qu'on fait ça pour votre bien et qu'il n'y a pas d'alternative et que vous n'avez aucune connaissance scientifique ou ce genre d'argument. Je pense que les gens sont beaucoup plus réceptifs justement à une sincérité par rapport à ce qu'on fait et je pense qu'à ce niveau-là, c'est comme ça que les médias devraient traiter ce sujet-là et c'est comme ça qu'il faut aussi justifier le fait d'avoir recours à un angle émotionnel. C'est-à-dire que ça n'est pas un biais militant, c'est simplement dire de quoi on parle, en fait. Et à partir du moment où on a dit ça, les gens vous écoutent, parce que on n'essaie pas justement de biaiser le jugement, on essaie simplement de dire, avant de parler de ça, je voudrais te dire de quoi je veux te parler, en fait. Et c'est ça qui est, à mon sens, vraiment la première étape, et la plus importante. Évidemment, voilà. Bon, et si c'était vous, c'est, je pense, ce qu'il faut aussi dire aux gens et essayer qu'ils se mettent à la place des animaux de laboratoire, même s'ils n'en ont jamais vu et n'en verront jamais. Mais essayer de comprendre, voilà, quelle souffrance on inflige à ces animaux-là et ce qu'il y a derrière les mots que l'on dit. Et enfin, la dernière façon de parler de l'expérimentation animale qui aussi, à mon sens, résout un peu ce problème-là de dire « mais comment dire les choses ?» c'est de témoigner. C'est très compliqué parce que, évidemment, vous vous en doutez, les gens qui travaillent dans les laboratoires ont extrêmement peur. Quand ça se passe mal, comme je vous le disais au début, ils changent d'unité de recherche. Ils ne souhaitent pas remettre en cause ce qui se fait. Ils ne souhaitent pas, justement, être blacklistés par leur hiérarchie ou ce genre de choses. Donc, c'est très compliqué d'avoir des témoignages. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'infiltrer les laboratoires. C'est évidemment pas simple du tout. C'est ce que j'avais fait avec mon livre et c'est ce que je vais continuer à faire avec d'autres personnes. Mais évidemment, le but, c'est quand même d'avoir le plus possible de témoignages de gens qui sont révoltés par cette pratique au sein du laboratoire et de réussir à justement mettre de côté tout le conditionnement qui a été le leur pendant leur formation. Et je pense que, justement, c'est la seule manière, en fait, de retranscrire vraiment ce qui se passe. Et à partir du moment où ça vient d'un chercheur, malheureusement, les gens vont se dire, voilà, il y travaille, etc. Et donc, il y a une crédibilité qui est octroyée assez systématiquement.
Et donc voilà, bon, donc du coup mon livre, si vous ne le connaissiez pas, s'appelle Profession animale de laboratoire et relate mon expérience pendant un an dans les laboratoires, publics et privés, les deux, puisque c'est très souvent des expériences qui sont aussi commanditées par des firmes, des marques de pansements, d'agroalimentaire, des choses totalement improbables que j'imaginais pas du tout, qui sont commanditées auprès d'unités de recherche publiques. Donc c'est pas d'un côté le public et d'un côté le privé, finalement, tout le monde travaille ensemble. Et du coup, la suite, pour moi en tout cas, c'est cette association que j'ai créée, qui est toute récente, qui s'appelle Animal Testing, et qui est une association d'investigation dans les laboratoires et d'infiltration dans les laboratoires. Ça va pas être simple du tout, mais je pense que c'est utile en tout cas de passer par là. Et pour l'instant, on a déjà commencé à travailler et je pense que c'est uniquement le début, puisque ça ne se faisait pas jusqu'alors en France. Et j'en ai fini. Merci. Questions, n'hésitez pas, il n'y a aucune question bête et je sais que... Et je sais que parfois... Oui. Oui. Par rapport, par exemple, quand on dit, par exemple, contre l'expérimentation de même auprès des gens qui ne sont pas sensibilisés, est-ce que ça va fonctionner un peu comme quand on fait pour l'élevage, de transformer le vocabulaire qui est initialement fait justement sur l'expérimentation, par les spécimens, est-ce qu'il y a des moyens sur l'expérimentation de rétablir la vérité aux animaux qu'on ne connaisse pas sans leur faire perdre leurs repères, par exemple, et arriver à retranscrire la réalité enfin, je fais l'association, par exemple, c'est vrai que moi je parle pas de nous, je parle plus de cadavres, si on parle de l'élevage, par exemple, est-ce que pour l'expérimentation on peut faire un peu la même chose sans quelque chose qui fonctionne? Oui, tout à fait. Ben notamment, moi, c'est vrai que souvent, enfin, la première chose en termes de remettre les choses à leur place, c'est de dire est-ce que vous savez quelles expériences on fait et pourquoi ? Parce que les gens ne savent pas. Et très souvent, ils imaginent que c'est uniquement les vaccins ou les médicaments. Et ça, c'est un pourcentage qui n'est, enfin, c'est pas du tout le reflet. Donc déjà, quand on commence à leur dire, voilà, les polluants agricoles, les pesticides, les brûlures, les pansements, les additifs alimentaires, les déboucheurs pour canalisation, la lessive, simplement nommer des catégories déjà d'expérience, ça permet, enfin vraiment, ça fait un effet extrêmement fort parce que les gens se disent, oulala, on n'imaginait pas ça en fait. Et ça, c'est enfin, vraiment l'éventail de ce qui est fait en termes de finalité, parce que du coup, les gens imaginent que c'est vraiment uniquement pour se soigner. Quand on développe un petit peu ça, tout de suite, il y a une vraie curiosité en plus de se dire mais pourquoi les additifs alimentaires enfin, et du coup, je pense que déjà, voilà, poser l'éventail de ce qui est fait, c'est hyper important. Et ensuite, en termes de mots, enfin voilà, expliquer le quotidien des animaux de laboratoire, c'est pareil, c'est quelque chose que, à force de véhiculer des photos de souris en bonne santé, on ne se rend pas compte que dire, enfin voilà, moi, il y a des gens qui leur disaient, vous vous rendez compte, un singe de laboratoire, il va passer 11 ans dans une cage, et il sort que pour les expériences, enfin, et on n'est pas dans du trash, enfin, c'est simplement, voilà, essayer de poser et de dire, 11 ans dans une cage, enfin, rendez-vous compte ce que c'est, imaginez. Et ça reste. Et c'est très fort comme message, et en même temps, on n'est pas dans des descriptions insoutenables. Donc, de même, le fait de dire que voilà, les animaux n'ont pas forcément d'eau, de nourriture, que c'est la récompense pour les expériences, que voilà, les expériences pour les brûlures, je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire, enfin, on imagine ce que c'est, ou les plaies, ou ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment, je pense, le plus fort par rapport à ça. Et c'est quelque chose qui est, enfin voilà, qui est reçu avec beaucoup aussi de, évidemment, de force, mais d'interrogation et de questionnement. Voilà, donc ça permet, je pense, de sans rentrer dans quelque chose d'insoutenable. Dans le jeu des pourquoi. On peut tout de suite pointer le fait que, évidemment, comme il y a beaucoup d'accidents, même dans cet effet,
Oui. On peut faire la liste. Oui, oui, tout à fait. L'argument, en fait, qui est derrière, c'est oui, mais c'est des, ça a été testé. C'est une défense commerciale, c'est tout. Oui, bien sûr. Tout à fait. Mais c'est vrai que les effets secondaires, ça parle aussi aux gens. Moi, c'est pas mon point de vue. Enfin, j'aime pas rentrer là-dedans parce que évidemment, ça veut dire que tout de suite, si ça avait marché, on n'aurait rien à redire là-dessus. Et ça, je trouve ça terrible. Donc, c'est et on s'expose à me dire oui, mais dans tous les autres cas, ça a marché. Donc, dans tous les autres cas où il n'y a pas d'effets secondaires, qu'avez-vous à nous répondre? Et du coup, on part sur une logique qui est complètement différente. Mais effectivement, enfin, le fait qu'il y ait des effets secondaires imprévus, ou même avec le cas de Biotrial à Rennes en janvier, ça a tout de suite remis voilà, une certaine stupeur. C'est la véritable raison de leur travail, c'est de pouvoir répondre à un tribunal. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, oui, c'est tout à fait à partir du moment où ils respectent l'obligation. Et voilà, où ils sont carrés sur les protocoles, c'est-à-dire phase 1, essai préclinique sur les animaux, et ensuite essai sur les volontaires sains, puis les volontaires malades. Du coup, ils ont, voilà, ils sont évidemment protégés par rapport à ça. Et effectivement, c'est tout à fait une parade légale pour eux, bien sûr. Oui. Et puis, on peut dire aussi, il paraît que c'est courant que beaucoup de médicaments sont testés sur des populations qui ne peuvent pas se défendre. Par exemple, les vieillards, sa famille, des soldats, j'ai entendu des listes comme ça. Oui, même jusqu'en 2004, en fait, il y a eu des excuses publiques du gouvernement américain sur un vaccin qui avait été testé en Amérique latine. Et, enfin, donc, c'est pas uniquement quelque chose d'historique qui date voilà, d'il y a deux siècles, enfin, jusque récemment. Et ça, 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 alors, ça, une question, oui. Pour l'animal, ça se développe ou pas? Parce que j'ai toujours trouvé que c'était formidable. Les laboratoires qui ont été en Suisse, qui oui, on comptait, oui. Oui, le problème des laboratoires qui travaillent en fait sans animaux, etc., c'est qu'ils n'ont pas de subventions, alors que notamment il y a des subventions publiques qui sont attribuées à des protocoles qui travaillent uniquement sur les animaux. Donc pour eux, c'est aussi une incitation financière forte. Et il n'y a pas d'équivalent pour les méthodes alternatives. Il y a des prix qui existent, mais c'est des prix spécifiques de 10 000, 15 000 euros, et c'est des prix qui vont récompenser une recherche sans animaux, mais il n'y a pas de subvention étatique, en fait, par rapport à ça. Alors comment peut-on pousser les choses? Étant donné qu'on a déjà le paranger, c'est bien, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on sait que même la colle sur la table a été testée, les peintures, les... Ouais. C'est terrible parce que en fait c'est ce que je dis à chaque fois au niveau du citoyen, enfin c'est très compliqué de faire des choses pour les animaux de laboratoire c'est enfin à part acheter des marques non testées sur les animaux, c'est tout petit, enfin c'est une incitation évidemment. Après, moi vraiment j'incite à l'information et à en parler. Alors je sais que ça paraît pas très concret et on se dit oui bon c'est bien gentil mais vraiment enfin je pense que le nombre de gens qui ignorent ce qui se fait sur l'expérimentation animale, il est tellement plus important que ceux qui ignorent ce qui se fait sur l'élevage. Enfin, voilà, il y a une prise de conscience actuelle sur la viande, notamment, qui est en cours, enfin, et depuis plusieurs années. L'expérimentation animale... Comment ? Je fais à tous les happenings, je fais dans les rues, tout ça. Mais même si ça, les gens, il y a eu une pétition. Mais en fait, je pense que c'est plus utile que l'impression qu'on en a, parce que notamment, voilà, en 2015, il y a eu une ICE, une initiative citoyenne européenne qui a été déposée auprès de la Commission. Donc du coup, les médias en ont parlé, etc. Et finalement, c'est aussi une pression qui est ressentie sur les laboratoires. Il faut savoir qu'en 2017, la directive elle va être révisée, et du coup, il y a aussi des améliorations qui peuvent être faites à ce niveau-là. Donc il y a quand même des choses qui se font et je pense que il y a que ça qui peut, voilà, l'information, les pétitions, la diffusion, soutenir les marques, parce que plus les marques seront évidemment, si le terrain de la société civile est propice et réceptif en fait à cette problématique-là, la législation et le commerce, ça suit en fait derrière. Donc c'est un mécanisme qui est long à se mettre en place, mais je pense que après c'est inéluctable. Enfin, si le terreau est inexistant au niveau de la société civile, aucun politique et aucune marque. C'est très long parce que je parle avec beaucoup de professeurs en médecine, sont très fiers, ça fait partie de leur public, de dire qu'ils ont une année maladie de temps de
Au contraire, de ce que je pourrais faire plus tard, mais voilà. Je veux dire, c'était parti. Je vais prendre une autre question, mais je sais pas sur ça, j'en sais rien peut-être, mais c'est vrai qu'après, le fait d'expérimenter sur les animaux, ça fait tellement partie en fait de la pratique médicale que, effectivement, en tant que chercheur, s'y opposer, c'est très compliqué, quoi. Donc, voilà, de là le revendiquer, ça, je sais pas dans quelle mesure. Merci. Oui. J'ai deux, trois questions rapides. Déjà, on parle de la responsabilité des États. Est-ce qu'il y a des régions ou des pays qui ont pris des mesures restrictives sur la question de ces animaux-là? Aussi, je me demandais, apparemment, il y a beaucoup de productions juridiques en interne, à part sur les grands singes, hormis le comité éthique. Et est-ce que les éditeurs, le comité éthique a retoqué un protocole parce qu'il est trop naturel? Ce qui se fait, c'est notamment la réduction du nombre d'animaux. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu d'utiliser 150 rats, ils vont dire « bon, bah, vous avez peut-être besoin que de 120 ». Voilà, donc le nombre d'animaux. Mais en fait, derrière, il y a aussi une logique économique. Donc ils ont tendance aussi à réduire, parce que s'ils peuvent faire que sur 120 au lieu de 150, ça leur coûte moins cher. Et voilà. Donc il y a aussi ça qui joue. Mais après, sur les expériences en elles-mêmes et sur le niveau de douleur ou ce genre de choses, il n'y a pas de changement, en fait, par rapport à ça. Et le gros problème, c'est que la directive européenne, elle impose, normalement, qu'à partir du moment où une méthode alternative existe, elle doit être substituée aux animaux. Le problème, c'est qu'en fait, il faudrait que le laboratoire fasse lui-même la recherche pour savoir si, pour ce protocole-là, il peut se passer d'animaux. Enfin, donc, il n'y a aucune incitation à faire ce travail-là supplémentaire. Et il n'y a pas de base de données, par exemple, où on rentrerait un protocole et on trouverait la méthode alternative qui vaut. Donc, du coup, parfois, il y a des méthodes alternatives qui existent. C'est le cas pour le test de Dres. Il y a des méthodes alternatives qui existent, qui sont validées par l'ECVAM, qui sont commercialisées. Et le test de Dres se fait toujours. Donc, c'est bien qu'il y ait un problème. Enfin, et il y a plein de tests comme ça qui perdurent, alors qu'à côté, on a des méthodes alternatives et que normalement, la directive... Donc là, on est dans quelque chose, pour le coup, d'illégal. Mais il faut aller prouver ça, il faut aller le dénoncer. Enfin, il n'y a aucune contrainte derrière, il n'y a aucune vérification de ça, puisque le comité d'éthique valide et il est aussi jugé parti. Donc, pour répondre, c'est plus sur le nombre d'animaux, en fait, qu'il peut y avoir des changements, parce que du coup, c'est très rapide, quoi. Que ça ? Je pensais que ça inclut même les arthropodes au départ. En fait, ils sont même pas dans la statistique ici. Non. Non, c'est vraiment 2,2 millions, voilà, de lapins, de souris, de rats, de chevaux, de vaches, de cochons, de chats. Et ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est... Enfin, voilà, quand on regarde l'entonnoir du nombre de molécules testées par rapport au nombre de candidats médicaments et au nombre de médicaments, on se rend compte que la proportion, effectivement, enfin, elle est juste, quoi, parce que c'est énormément d'expériences en amont, et ça c'est que pour les médicaments, c'est même pas la recherche fondamentale. Donc il y a énormément de lieux en France où il y a de l'expérimentation animale et on ne le sait pas, en fait. Donc c'est beaucoup, ouais. Je sais pas, dans l'ordre, je sais plus qui. Ah, oui, d'accord. Oui. Alors, avec l'association Animal Testing, qui travaille déjà dans un lieu où ça se passe pas très bien, malheureusement, pour les animaux, pour des lapins. Moi, ce que je voudrais vraiment, et c'est quelque chose qui est pas facile, mais qui, je pense, fait boule de neige et qu'il faut de toute façon faire, puisque c'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne peut pas se faire, c'est déjà
essayer de se renseigner le plus possible sur les lieux de l'expérimentation animale. Et c'est vraiment quelque chose que je suis en train de créer avec, parce que en fait ça demande énormément de temps et c'est très compliqué parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune cartographie aujourd'hui en France des animaleries, des lieux d'expérimentation animale, des laboratoires, et c'est des élevages aussi. Si on veut avoir l'information aujourd'hui, en fait, elle n'existe pas. Et du coup, déjà, moi, je voudrais rendre ça public, c'est-à-dire savoir ce qu'on fait, en fait, tout simplement, et où, et qui, et voilà. Et ça, c'est, en fait, c'est un travail qui est très, très long, mais qui peut se faire, enfin que tout le monde peut faire en fait, on n'a pas besoin d'avoir des connaissances. Alors évidemment c'est moins galvanisant qu'une manif où on crie et ce genre de choses, j'entends bien que c'est pas très excitant sur le papier, mais c'est, en fait on est obligé de savoir où ça se passe pour y aller, et la première étape c'est d'avoir cette cartographie là de l'expérimentation animale en France notamment, et du coup moi j'invite vraiment tous ceux qui ont envie de s'impliquer en tout cas dans cette cause, de m'écrire, j'ai pas mis l'adresse mail, mais de l'association qui est donc animaltestingfrance@gmail.com, et du coup on travaille comme ça avec oui, animaltestingfrance tout attaché @gmail.com, et pour l'instant @gmail.com. Et si vous avez envie, après il y a plein d'autres choses qui peuvent se faire, mais du coup c'est vrai que je préfère passer par mail. Mais en tout cas, vraiment l'association c'est un levier d'action. Et preuve en est, on est déjà en infiltration, donc ça se fait. Donc c'est faisable. Il y a un documentaire filmé, ça vous intéresse, parce qu'on est en train de faire pour les abattoirs. Oui, mais je travaille du coup aussi sur un projet télé. Mais c'est. Vous connaissez les producteurs, parce que c'est... Oui. Et du coup, qu'est-ce que c'est, d'après les conditions, t'as passé cette année, l'infiltration ? Ah oui, pour l'enquête, alors en fait, je voulais... j'ai pas de formation scientifique, donc du coup, à la base, pour faire cette enquête, en fait, j'ai repris des études de philosophie, parce que en philo, en recherche, on peut faire donc un mémoire de recherche, et moi, je voulais faire donc travailler sur l'éthique, et faire un mémoire de recherche sur l'expérimentation animale comme mal nécessaire. Et en fait, du coup, j'ai intégré tout un tas de comités, et je suis rentrée petit à petit, ça a été vraiment très long, hein. Ça n'a pas été juste je fais un mémoire. ça a été vraiment très long, mais en tout cas, quand ils m'ont fait suffisamment confiance, et que je me suis donc évidemment présentée comme défenseuse de l'expérimentation animale, justification de l'expérimentation animale, et j'ai passé en fait beaucoup de temps dans des bureaux avec des gens, des rendez-vous, etc. Donc c'était, là pour le coup c'était... Et en quel moment ils avaient sauvé ton... Non, mais ça a été très long, et en fait ce temps-là était nécessaire parce que c'était... Moi j'avais l'impression que ça servait à rien, enfin je me disais je perds mon temps, je verrai jamais les animaux, ça va jamais se faire. Et en fait, c'était nécessaire parce que ça a été tellement compliqué d'être intégré en fait au milieu, et puis tout est sur recommandation, tout le monde se connaît, etc. Que le jour où j'ai vu les animaux, je me suis dit oulala, enfin moi j'avais peur de pleurer, etc. Et en fait, le fait que ça a été si compliqué, ça permet de tenir, et on se dit on va pas tout casser maintenant qu'on y est en fait. Et ça, ça permet vraiment de tenir. Et maintenant qu'il le savent. Tu as eu un retour ? Aucun. De tous les gens que j'ai côtoyés, etc., j'en ai aucun. Je m'attendais à recevoir des mails, des appels, et j'ai rien eu, vraiment. Oui, pardon. D'accord, merci beaucoup. Et pardon pour cette intervention. J'ai une petite question. Est-ce que dans la sphère politique, est-ce que des élus, notamment des députés ou des sénateurs, s'élève un peu comme l'espace bureaucrate Europe, propose des propositions de loi, c'est-à-dire en France. Mais alors. Du coup, c'est vrai que moi j'étais en contact avec Laurence Abeille parce qu'elle est très portée sur cette question-là, Mais le problème de l'expérimentation animale, c'est que en fait, le législateur se sent incompétent.
Et du coup, comme c'est très technique, très scientifique, etc., il y a une vraie peur de toucher à ça, en fait. Et souvent, moi, je dis que c'est le dernier bastion de la cause animale. Enfin, je pense que c'est le plus compliqué. Il y avait un projet, justement, donc avec Laurent Sabeille, de travail, notamment par rapport à la révision de la directive européenne. Mais c'est vrai que, voilà, hormis elle, j'ai pas connaissance, parce que, du coup, enfin... Moi, de mon ressenti, hein, j'ai l'impression que quand on touche à la science et à la recherche, ça devient très compliqué. C'est pas juste une question alimentaire, en fait. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie barrière par rapport à ça. Et du coup, que oui, c'est long. Mais effectivement, le projet de Laurence Abeille avec Animal Politique, etc., c'est plutôt pas mal, parce que du coup, ça permet d'avoir une commission de réflexion aussi et de travail là-dessus, quoi, pour... aussi penser et à la révision de la directive européenne. Mais encore une fois, la révision de la directive européenne, même si l'intention est louable, à mon sens, le problème, c'est que il faudrait être drastique et dire ce type d'expérience, on l'interdit, en fait. Parce qu'on peut encadrer tout ce qu'on veut. Il y a un moment, quand on fait des expériences sur la douleur, on fait des expériences sur la douleur. Et on peut mettre les mots qu'on veut et faire des points limites, des comités, tout ce qu'on veut. Il y a un moment, les expériences, il faut les faire, quoi. Enfin, selon eux. Et du coup, tant qu'on n'interdira pas des catégories d'expériences ou des expériences sur la psychiatrie qui devraient être interdites, je pense qu'il y a un moment, faudra passer par là, quoi, parce que sinon, tant que ces types d'expériences continuent d'exister, on peut mettre toutes les tailles de cage de lumière du jour, même, ou je sais pas quoi, ça changera rien. Donc, mais en tout cas, moi je sens qu'il y a du progrès. Depuis l'ICE, depuis l'initiative européenne en 2015, ça a quand même remis ça sur le débat politique. Ouais. Oui. Pardon. Comme cette pratique elle est encadrée, qu'est-ce que le législateur peut dénoncer ? Parce que comme vous disiez tout à l'heure, oui. Du coup, c'est vrai qu'on n'aura jamais de laboratoire. Non. Exactement. Et ça, justement, c'est une piste de réflexion, parce que, en fait, ils sont absolument pas préoccupés par une intrusion externe, puisque tout est en interne, et finalement, les seuls éléments externes au laboratoire, c'est les deux personnes candides qui font partie du comité d'éthique. Et qui ne sont pas chercheurs, en fait. Mais c'est 2 sur 13 ou 2 sur 15, c'est à peu près cette proportion-là. Et donc, du coup, le fait qu'il n'y ait pas d'intrusion, on va dire, extérieure pour vérifier, c'est un vrai problème, parce qu'il fonctionne en autarcie totale par rapport aux pratiques. Donc, vraiment, les animaux, ils sont complètement sans défense et sans... ils n'ont aucun... aucun représentant, enfin, il n'y a vraiment personne, quoi. Ils sont vraiment livrés là-dedans. Et c'est ça que je trouve terrifiant, parce que... Exactement. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que les vétérinaires qui travaillaient en interne, en fait, sont là non pas pour les intérêts des animaux, mais pour valider les protocoles et pour vérifier qu'ils tiennent le coup, en fait. Donc, c'est une aberration. Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais le problème des méthodes alternatives, notamment, c'est que par rapport à la recherche fondamentale, les chercheurs vont vous dire qu'il n'y a pas de méthode alternative en recherche fondamentale, parce qu'on veut tester ça sur telle espèce ou sur telle espèce, et du coup, le protocole en lui-même est sa propre justification, en fait. Et comme c'est finalement une recherche qui n'a pas vocation à être appliquée sur l'homme, mais qui est... une recherche pure pour la recherche, on vous dit, là, dans les 46% de l'expérimentation animale qui concerne la recherche fondamentale, aucune méthode alternative n'existe. Et en soi, ils ont raison, puisque c'est des protocoles qui visent des choses très précises sur les animaux. Et donc, à ce moment-là, on ne peut pas remettre en cause ça,
Et du coup, c'est bien, les méthodes alternatives, c'est bien d'en parler, je pense, pour que les gens sachent que voilà, on n'est plus à l'ère de la découverte de l'anatomie basique telle que c'était, etc. Et qu'il y a beaucoup de choses qui se font, les organes sur puce, ça se développe beaucoup. Encore aujourd'hui, il y avait un article dans une revue du Canada sur ça. Donc, même en in vitro, il y a énormément de choses qui se font. Donc, c'est bien d'informer, mais... moi, ce qui me gêne toujours, c'est qu'on a l'impression que si on ne pouvait pas faire autrement, il faudrait en passer par là. Et quelque part, c'est aussi justifier ce qui se fait parce que techniquement, on n'a pas les moyens de faire autrement. Et c'est cette question-là qui me gêne aussi. Mais effectivement, enfin, dire aux gens qu'il y a aussi des méthodes alternatives, ça éveille très souvent la curiosité. Oui. Oui, et du coup, on se retrouve parfois un peu à court d'arguments ou pour expliquer... Alors qu'il y a des exemples qui sont très simples. Et Antidote et ProAnima sont deux associations qui essaient de vulgariser ça, justement, et d'expliquer comment ça marche. Voilà. Oui. Pourquoi les femmes sacrifient les femmes Alors, par exemple, l'INRA travaille sur les animaux de rente, donc les vaches, les cochons, etc., notamment parce qu'ils veulent les adapter aux conditions d'élevage. Il y a toute une partie de la recherche qui est faite pour avoir des animaux qui vont, par exemple, faire plus de viande ou tomber moins malade, ou ce genre de choses. Donc, il y a plein de modifications des animaux pour les adapter à l'univers de l'élevage industriel. Donc, du coup, il y a ce point-là de la recherche. Après, il y a tout ce qui va concerner aussi les recherches cardiaques qui vont se faire par exemple sur les cochons parce qu'ils ont une proximité anatomique avec. Donc, c'est aussi une question de choix d'anatomie. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils n'utilisent pas les animaux en voie d'extinction quand même. Non, c'est interdit par la directive européenne. Mais là où je précise toujours, c'est que les grands singes, il y en a certains donc, qui sont en voie d'extinction, eux, ils sont protégés non pas parce que c'est des espèces protégées, mais parce qu'ils sont, ils ont des aptitudes trop proches de l'homme. Et très souvent, les chercheurs essaient de dire « mais non, c'est parce que c'est des espèces protégées ». Et c'est pas du tout marqué comme ça dans la directive. Mais les espèces protégées, oui, ils sont, on ne peut pas... effectivement, Oui. Sur ce que tu disais, les grands singes, il y a des possibilités de dérogatoires. Oui, tout à fait, auprès de la Commission européenne. Oui. On peut faire une demande d'expérimenter sur des grands singes, notamment les chimpanzés, si le protocole nécessite qu'aucun animal ne peut supplanter, à savoir donc les macaques, souvent les macaques rhésus qui sont utilisés, ne peuvent pas supplanter pour le protocole et qu'on a vraiment besoin, par exemple, de chimpanzés, il faut faire une demande et on peut avoir une dérogation auprès de la Commission européenne. Mais du coup, c'est plus lourd. Donc, comment ? Oui, c'est pas, en fait, c'est aussi possible, mais du coup, et c'est, ça vise très souvent les chimpanzés. Mais c'est aussi possible, mais du coup, c'est beaucoup plus lourd, c'est très rare. Et donc, voilà, ça, c'est quelque chose. Je vais aller le gronder. D'accord.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et souvent, enfin, on se rend pas compte parce qu'on. Et c'est aussi le discours, comment dire, de même des éleveurs ou des chercheurs qui disent non, mais vous vous rendez compte, on va pas taper dessus parce que c'est quand même nos instruments de travail. Donc, on va pas taper dessus. Voilà, on en prend soin. Au contraire, ils sont dans des conditions optimales. Et effectivement, si on est un peu naïf, on peut se dire oui, ça va de soi. Pourquoi est-ce que. Et on se rend pas compte quoi, de tout ce qu'il y a en termes de maltraitance, de tout. Voilà, donc oui, non, tout à fait, je suis d'accord. Alors, je sais plus qui. Ah, oui. Et moi, c'est des petites questions. Il y avait dit qu'il voulait vraiment depuis un moment. Oui. Je sais pas. Honneur aux dames. Allez. J'ai juste deux, trois remarques. En fait, je ne vais pas tout mettre d'un coup, je pourrais répondre à plusieurs reprises, donc là, j'ai développé un, deux, trois. Déjà, concernant la recherche fondamentale, il me semble que bon nombre d'études n'ont strictement aucune vocation, si ce n'est que l'auteur puisse se faire reconnaître par ses pairs. Donc, voilà, ça marche comme ça, pour avoir des promotions, pour avoir des. Donc, vraiment. Pas d'objectif particulier, si ce n'est un objectif personnel. Oui. Ça déjà fait conscience. Oui, tout à fait. Le besoin de publication, moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je précise toujours aux gens, c'est-à-dire les enjeux commerciaux et les enjeux de carrière qu'il y a dans l'expérimentation animale. On n'en parle pas assez, mais oui. Et sinon, par rapport à l'aspect politique, pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse arriver à une abolition d'emblée de l'expérimentation animale, pour une raison très simple, juste l'aspect sécurité. On va enlever tous les trucs dont on pourrait se passer avec des gros débats. Par exemple, l'armée, on pourrait imaginer que grâce à des débats, on arrive à l'interdire. J'y crois pas, mais voilà. Je ne crois pas parce que là, il y a d'autres enjeux, mais admettons qu'on y arrive. Hein. Mais il y aura toujours l'aspect sécurité, par exemple, des médicaments ou d'autres molécules qui pourraient poser des problèmes, molécules, ou pas que molécules, ça peut être des choses diverses et variées. Et là, je me dis, quel gouvernement prendrait le risque d'abolir ça, avec évidemment un énorme risque que, parce qu'il y aura forcément un pépin derrière, puisque aucun produit n'est sûr à 100%, et que quand l'accident arrivera derrière, avec le public qui dira « Ah, mais c'est vous qui avez envoyé les tests. » Moi, je ne vois qu'une possibilité pour ça, c'est que l'opinion publique soit à 90% au moins pour l'abolition. Or, pour arriver à ça, on revient à l'émotion, à l'aspect émotion, parce que l'humain, mais comme les animaux, ce qui va faire qu'on va passer à l'acte, que ce soit pour une action positive ou négative, on est obligé de passer par une émotion. Et c'est, ça peut être une émotion d'énergie. Oui, tout à fait. Mettons, je vais aller manger la pastèque, elle me paraît super appétissante, et à un moment, je suis passée par une émotion. Mais ça va être aussi l'émotion négative qui fait qu'à un moment, on va dire stop. Le problème, c'est que c'est pas si facile que ça à gérer, parce que si elles sont trop fortes d'un coup, là, on ferme les yeux, on ne peut plus voir, parce que je me sens impuissante. Donc tout est dans le dosage, mais ce que vous disiez tout à l'heure de faire imaginer comme si on était à la place. Il y a, je dirais, une dizaine d'années, c'est ce que j'ai fait pour le foie gras dans la rue, c'était exactement ça, une campagne de foie gras au moment de Noël. Et plutôt que d'argumenter sur l'aspect purement technique, je disais à la personne, imaginez-vous, vous êtes assis ou couché, vous choisissez, moi je leur donnais le choix, vous choisissez d'être assis ou couché pendant 11 à 13 jours, par contre, une fois que vous avez fait le choix, c'est fini, là, vous ne bougez plus. Puis après, voilà, je parlais de l'alimentation de force, etc. Et en fait, grâce à ça, alors qu'à cette époque-là, on ne remettait pas en cause le foie gras, au contraire, grâce à ça, je me suis très peu de râteau. C'est pas pour ça que les gens allaient arrêter le foie gras, mais au moins ils acceptaient le début de l'idée de réfléchir au truc. Et la vidéo là, qui a été montrée tout à l'heure, je l'ai trouvée très forte. Il n'y a rien, il n'y a pas de lapin, il n'y a rien. Oui. Mais justement, on ne peut qu'imaginer. C'est ça, exactement. Maintenant, même quand on a ce constat que l'émotion est nécessaire pour un passage à l'acte, donc en l'occurrence le public réclame l'abolition de l'expérimentation, comment on fait concrètement? Parce que pour arriver à obtenir, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Non, mais c'est ça qui est très compliqué en plus là-dessus. Et je pense que, enfin moi vraiment, je pense que la technique de révéler ce qui se fait avec
Il n'y a que ça, en fait. C'est en montrant la réalité de ce qui se fait. C'est pareil, malheureusement, tout le monde imagine que c'est lointain. Et très souvent, je dis non, ça se passe à Paris, ça se passe à Grenoble, à Lyon. Et c'est à côté de chez vous. Et cet élevage-là, il est à 10 km de chez vous. Et d'où l'intérêt aussi de faire une cartographie. Parce que le jour où les gens ils vont voir que ça se passe au milieu de... Enfin, vraiment, ils n'imaginaient pas, il y avait un bâtiment, ils ne savaient pas ce que c'était. Parce que c'est exactement ça. Et quand on prend conscience que ça ne se passe pas à l'autre bout du monde, parce que c'est bien facile d'imaginer que la Chine c'est lointain, ou voilà, et que c'est en France à côté de chez nous, et la prise de conscience, la proximité géographique, ça joue aussi énormément en fait. Donc je pense que c'est quelque chose aussi d'important, quoi, de se dire c'est chez nous, enfin c'est là. C'est... Et peut-être aussi ce qui était évoqué à l'instant tout à l'heure, d'aller par étape, l'interdiction par étape, oui, oui. C'est aussi le début de, tout à fait. De la. Tout à fait, exactement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est par type d'expérience qu'il faut procéder et dire ça, on arrête. C'est, voilà. Donc, vraiment. S'il vous plaît. Oui. Oui, je voulais dire à propos de la Shoah, par exemple, parce que ça, c'est une forme de nazisme également. Il y a toute une littérature qui est sortie après par les psychologues qui décrivaient la cuirasse émotionnelle des gens capables de torturer. Celui qui a écrit l'ascension de l'orgasme, vous rappelez. J'avais écrit également sur le profil de certains nazis. Je ne comprends pas que dans le monde actuel, on parle de psychologie tout le temps, il n'y a pas encore des gens. Je sais que ça a commencé pour l'avion, là récemment. Il y a quand même, on parle de déni, on analyse plus finement, mais je trouve que les psychologues, tous ces gens qui travaillent en recherche sur les émotions, devraient faire des profils types de personnes qui sont mortes au niveau émotionnel. Alors ça a été fait rétrospectivement avec Claude Bernard, avec d'ailleurs la contribution des écrits de sa femme, qui révèle que dans la vie intime, c'était épouvantable. Elle a beaucoup souffert d'avoir un mari comme cela. Donc pourquoi on ne va pas vers nous-mêmes, vers ce que les jeunes à faire, que des gens du métier écrivent et observent, et pas ce profil de l'être humain mort et nazi. C'est un profil de cuirasse émotionnelle qui doit être fait. Oui, mais je pense que c'est. Et qu'on a réagir auprès des professionnels. Je pense que c'est très compliqué parce que, en l'occurrence, les chercheurs, moi, me disaient souvent, c'est comme un chirurgien qui se mettrait à pleurer ou qui s'évanouirait à la vue du sang, c'est pas possible. On a besoin, en fait, d'être à distance pour faire notre métier, de la même manière qu'un militaire va être insensible à des blessures de guerre ou ce genre de choses, parce que c'est une nécessité et c'est pour ça que le conditionnement de notre formation est utile. Donc finalement, c'est une auto-justification aussi de ça. Dans leur vie, parce que c'est impossible qu'il y ait une schizophrénie pareille, que là, ce soit au travail, au devoir. Mais c'est une. Famille, ça soit, c'est un vrai. Si, parce qu'en plus, ces gens-là ont parfois des animaux de compagnie. Donc, oui, c'est aussi cette dualité. Justement, souvent, le bénéfice, mais en rapport à l'épouse, aux enfants. Moi, j'ai connu des gens qui avaient des enfants de vétérinaire à la et qui s'en souviennent encore, qui ont souffert de la dureté de leurs parents. D'autre part, dans la propagande qu'on fait, je trouve que c'est bon d'utiliser des manuels de contention des animaux. C'est incroyable, il n'y a pas d'image vivante d'animaux, il n'y a que les appareils, alors on les coupe comme ceci, comme cela, mais rien que les objets de contention à regarder, c'est terrible. Oui, ça, pour faire la valeur de l'état émotionnel, je pense que c'est vraiment un peu costaud pour faire un déni de cette cause. Ah oui. Je voulais demander, au tout début, tu as dit le lapin, c'est pas un être sensible quand il est dans le de la laboratoire. Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? Parce que très souvent, en fait, les gens pensent que, comme la législation, enfin, ils ont entendu parler du code, enfin voilà, de l'évolution, justement, du statut de l'animal dans le code civil, et du coup, ils pensent que, enfin, et c'est une question qui revenait très souvent en conférence, on me disait oui, mais c'est quand même un être sensible, donc comment est-ce que ça se fait que les expériences, etc. Enfin, ils comprenaient pas qu'il y avait en fait. En fonction de l'utilisation de l'animal, une législation appropriée. Et du coup, c'est pareil, le cochon qui est utilisé pour l'élevage,
c'est pas en fait la même législation que le cochon qui est utilisé pour les expériences sur les animaux. Donc du coup c'est vraiment une législation très particulière avec voilà, ses contraintes et, ou pas, et ses possibilités ou pas, enfin voilà. Et en fait, les gens font l'amalgame avec les animaux domestiques, les animaux de compagnie. Et c'est ça qui est extrêmement pervers, c'est que très souvent, en plus, les animaux de laboratoire sont des animaux domestiques potentiellement. Des chats, des chiens, des rongeurs, chevaux, enfin voilà. Et donc, c'est vraiment, on se dit, quelle est la différence qui permet de justifier un statut, voilà. Il n'y a pas de différence d'espèce, et pourtant... Donc c'est pour ça, je pense que c'était important de... Et puis sinon, l'autre question, c'était que j'ai vu récemment que c'était les poissons qui étaient les animaux les plus utilisés en expérimentation. Mais c'est d'autres types d'expérimentation Alors les poissons, est-ce que je les ai là-dessus? C'était sur les tourbons. Carnivores, les animaux à sont... Je sais qu'ils sont beaucoup utilisés pour c'est pas les trucs sur l'impact dans les aquatiques. Les polluants, alors ça sur tout ce qui est polluant de rivière, etc., ça c'est évident, c'est sur les poissons. Après il y a une espèce de poisson qui est très utilisée, c'est les poissons zèbres, parce que on voit en fait leur corps, ils sont transparents. Et donc du coup sur tout ce qui est pollution, ça c'est environnemental, agricole, etc., ça c'est sûr. Mais après ils sont pas utilisés en termes de tout ce qui est recherche fondamentale sur la souffrance ou même recherche appliquée, voilà. En termes de pollution, ça je suis sûre de moi. Après, sur d'autres expériences, je sais pas précisément. Ah, oui, pardon. Alors, une question après la limite, mais sinon on a des connaissances en tant que anesthésiste et tout sur les animaux, c'est qu'aussi on a fait une forme d'expérimentation animale. Oui. Et donc, du coup, jusqu'à. Qu'est-ce qui est tolérable, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas de l'exploitation animale, mais qui est quand même, si les poissons ils souffrent, peut-être que c'était peut-être des trucs pas très antispécifiques du coup, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme expérimentation, qu'est-ce qui serait tolérable moralement de faire. Voilà, ça c'est la première question. La seconde question c'est. Culte de l'expérimentation sur les animaux humains, sur les êtres humains, est-ce que c'est pas du tout efficace comme le reste et tout, est-ce qu'il y a une utilité de le faire ou pas, si oui, est-ce que derrière ça ne se cache pas non plus quand même une forme de domination sur le système actuel où c'est rémunéré et souvent c'est des étudiants, c'est des précaires qui vont faire ce genre d'expérimentation et qui vont finir avec des états de santé pas possibles. Alors sur la question des expériences de comportement ou de connaissance en fait de l'animal, etc. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est que très souvent, justement, les chercheurs essaient de faire passer de l'éthologie ou de la recherche en éthologie ou en comportement, ou les animaux vont être dans des semi-liberté, c'est un bien grand mot, mais à l'extérieur, avec des volières, un peu type zoo, voilà. Très souvent, on voit ça dans des... On peut voir ça dans des reportages qui vont parler d'expérimentation animale. Et on fait croire du coup au grand public que l'expérimentation animale c'est l'étude des comportements des animaux dans un cadre type zoologique. Alors que, moi je parle pas du tout de ça en fait. Et du coup c'est vrai que tout ce qui va concerner, il y a plein d'expériences de comportement, de reconnaissance dans le miroir par exemple, de coopération entre les animaux pour avoir une récompense, pour voir le niveau de coopération qu'ils ont, de connaissance d'eux-mêmes, etc. Moi je suis contre la captivité, donc en fait j'ai envie de dire à la base pour moi la question se pose pas parce que je pense qu'ils ont rien à faire, pour moi c'est pas des cobayes, donc quoi qu'il arrive en fait ça ne justifie pas. Après je comprends que certaines personnes trouvent ça extrémiste, mais je pense que des singes ont rien à, ou des loups ont rien à faire en captivité. Après c'est pas de l'expérimentation animale à proprement parler, parce que du coup c'est plus proche d'études de comportement et de l'éthologie ou ce genre de choses.
En tout cas, c'est pas de ça dont moi je parle. Et, voilà. Ouais. Mais du coup, ça pourrait pas s'envisager, cette étude de comportement qui parfois peut-être nécessite une proximité, elle peut pas s'envisager sans incarcération, sans que ce soit quelque chose qui soit du coup. Ce serait l'idéal. Après, je pense que oui, ça peut se faire, mais je connais pas assez le travail des éthologues, mais notamment par rapport aux grands singes, je sais que ça s'est fait en milieu naturel parfois, et c'est plus de l'observation en milieu naturel, on n'est pas en train de les enfermer et de leur faire faire des jeux ou des tests ou ce genre de trucs, mais après c'est vrai que oui, moi ce qui me gêne toujours c'est la captivité de toute façon, et l'instrumentalisation, mais encore une fois, c'est le degré zéro de l'expérimentation animale, quoi. Et trop souvent, on a tendance à montrer ça en images parce que ça fait des belles images, des expériences et des gens font l'amalgame, quoi. Donc, et l'autre question, c'était Sur l'expérimentation sur les humains. Oui, sur les humains. C'est rémunéré à hauteur de 4 500 € par an. Il y a un maximum qui a été fixé pour éviter que justement trop de volontaires précaires le fassent. Donc il y a une limite. Je pense que si on avait dit aux volontaires sains de Biotrial, vous risquez de décéder ou d'avoir des troubles neurologiques à vie, je pense que pour 2 000 €, puisque c'était la rémunération qu'ils avaient pour l'étude, ils ne l'auraient pas fait. Donc c'est aussi un problème de consentement. Enfin, je pense que le consentement il n'est pas forcément éclairé. Et sur les volontaires, c'est vrai que ça, on n'aime pas trop en parler parce que c'est assez tabou. Mais les protocoles qui sont pas forcément testés sur les animaux et qui sont testés sur des malades, notamment en recherche sur le cancer, ou qui sont en fait des protocoles expérimentaux, et on propose à des malades qui sont en fin de vie, vraiment plus rien à perdre, on leur propose d'essayer des protocoles et on n'est absolument pas sûr de ce qu'on fait, et on tente un peu le tout pour le tout, ça se fait aussi. C'est sur des volontaires malades en fait. À partir du moment où la personne est malade en fait et où il n'y a aucun traitement, et à partir du moment où c'est le choix du malade et où il est en fin de vie, notamment par exemple sur le cancer ou ce genre de choses, moi je pense que ça vaut le coup. Je pense que pour les autres rémunérés. Alors la rémunération, moi ça me gêne, en tout cas c'est que mon avis, mais ça me gêne d'être rémunéré pour après je trouve que ça touche en fait à la vie, et c'est ça qui me c'est le caractère de la vie, ouais, qui est monétisable en fait, qui me gêne, voilà. Mais par rapport à l'éthique, le point c'était juste savoir est-ce qu'on a besoin en fait, parce que du coup on parlait ici d'alternatives, oui. Du coup, est-ce qu'il n'y a même pas une alternative pour... Passer de l'essai sur l'homme ? Voilà. Pas que je sache. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, avant commercialisation, il faut qu'il y ait une cohorte test déjà légalement. Et ensuite, je pense que ce serait trop... C'est-à-dire que là, en fait, avec les méthodes alternatives, on essaie de supplanter la phase 1, c'est-à-dire la phase test préclinique. Les essais sur volontaires, ils restent de toute façon après, quoi. C'est la phase 2. Donc, non, je pense que, pour l'instant, j'ai pas de. En tout cas, j'ai aucun exemple en tête sur ça. Oui, ça fait longtemps. Oui, mais il me semblait aussi qu'il y avait peut-être un autre axe encore à prendre, c'est celui de la consommation, tout simplement. Parce que tous les produits que l'on teste sont en général des produits des nouveaux. Des nouveaux produits ou le énième nouveau produit soi-disant avec des nouveaux matériaux ou nouveaux produits à tester, etc. Et je pense qu'au-delà de ça, il y a peut-être nous aussi à dénoncer un axe qui peut être pris, oui. C'est une société de consommation qui finalement veut toujours plus, veut davantage, etc. Et pour être, parfois moi je vais dans des supermarchés où je vois qu'on a le choix entre 30 shampoings différents, je me dis c'est quoi le délire ça. Donc peut-être que
tout. Et de la même façon pour les médicaments, en fait. Exactement. Je pense qu'à un moment donné, il faut se positionner sur un axe dans lequel on va aussi critiquer une certaine type de médecine, une certaine façon de procéder, le fait qu'on cherche avant tout à nous donner des médicaments et non pas à chercher la source de notre problème. Et à mon avis, il y a quelque chose à critiquer de supérieur, même, qui fait que les animaux sont quelque part des victimes, j'allais dire collatérales, mais non directes, oui. De ce système de consommation, en fait, capitaliste, effréné, etc. Oui, tout à fait. Non, mais tout à fait. Et c'est vrai que. Pareil pour les médicaments, enfin voilà, c'est la surmédicalisation de la société qui est terrible. Parce que voilà, derrière chaque médicament, il y a beaucoup de tests qui sont faits. Donc c'est vraiment une prise de conscience. Je pense que mettre en avant le côté critique, c'est-à-dire par rapport à effectivement les médicaments, ne pas chercher à guérir ce qu'on appelle maintenant des maladies du siècle, des maladies chroniques, etc. Et tout, le truc tout bête, c'est. Les maladies qui sont notamment liées aussi à l'alimentation. On peut aussi faire un lien avec toutes ces maladies qui sont liées à l'alimentation et qui, parfois, peuvent être aussi d'origine carnée. Et où il y a peut-être un lien aussi à faire et à dénoncer notamment tout le côté, comme tu le disais, non seulement commercial, mais en plus sur le profit, sur des choses dont nous aussi, on est des victimes. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est sûr. Dans le système du global. Non, mais c'est sûr. Oui, tout à fait. Tu nous as parlé de ton association Animal Testing. Oui. Je voulais savoir, tu nous as dit aussi que là, donc, j'ai compris qu'il y avait deux volets. Il y avait un volet infiltration dans les labos et il y avait un autre volet recensement. Oui, information, parce que en fait, la première chose, en fait, par rapport à l'information, c'est-à-dire que aujourd'hui. C'est très compliqué d'avoir des informations en dehors des chiffres de la Commission européenne. C'est assez dingue, c'est-à-dire que la seule source d'informations officielles sur l'expérimentation animale, c'est ça. Et du coup, ça ne dit pas grand-chose, ni sur les lieux, ni sur les acteurs, ni sur les enjeux économiques, tout ça n'apparaît pas. Donc c'est vraiment... je pense que s'il y a beaucoup plus de transparence sur qui fait quoi et pourquoi... Et comment, et etc. Enfin, ça aide aussi déjà à savoir à identifier où ça se passe, et c'est essentiel, et aussi à diffuser une information factuelle pour le coup sur cette réalité-là. Et ensuite, infiltration, oui, parce que ça, c'est à mon sens le nerf de la guerre. Ma question, en fait, c'était quels sont tes angles d'approche pour les localiser, recenser ces laboratoires ? En fait, c'est assez simple. C'est juste que ça prend du temps, mais en fait c'est très simple. Il suffit de regarder. Alors toutes les facultés n'ont pas des animaleries, mais il y a beaucoup de facultés et d'universités qui pratiquent l'expérimentation animale. Donc notamment, mais enfin il y en a énormément en fait. Donc déjà il y a tout ce qui est université. Ensuite, mais toutes ne font pas de l'expérimentation animale, donc c'est faire le tri. Les hôpitaux, ensuite, ont beaucoup d'animaleries et font des expériences. Il y a beaucoup d'hôpitaux. Les écoles vétérinaires. Et ensuite, tout ce qui va concerner les sites qui sont liés à la recherche du CNRS, de l'INRA. Et donc, à partir du moment où on a, on va dire, ces quatre grands domaines-là, il suffit, ça prend beaucoup de temps, mais il faut, on peut trouver en fait les lieux d'implantation. Et ensuite, se renseigner sur la présence d'animaux et d'animalerie, c'est assez facile de le savoir. Et en fait, c'est juste du temps. Et comme je le disais, c'est pas, j'ai bien conscience que c'est pas très sexy comme mission, mais c'est la première étape en fait. Et je pense que ça n'a jamais été fait en France. Et aussi, je pense que c'est une forme de pression pour les laboratoires le jour où on aura une cartographie. Exactement, ce qui n'existe pas en France pour l'instant, et du coup ils se sentent exclus en fait de la revendication. Pour l'instant, c'est beaucoup sur l'élevage, les abattoirs, etc. Et l'expérimentation animale, ils sont pas très inquiétés en fait. Je pense que ça peut être un excellent pied dans la porte pour justement parler de la cause animale, les tests sur les animaux, c'est tout le monde est plus ou moins d'accord. Oui, oui, oui.
Oui, tout à fait. Sous un autre angle que celui qu'on a en ce moment. Donc ça c'est vraiment et encore une fois c'est uniquement à partir du moment où on sait voilà qui fait quoi à peu près et quels animaux aussi et après voilà savoir le type d'expérience qui se fait et où parce que il y a vraiment de tout et on en apprend tous les jours hein, vraiment c'est on a l'impression que c'est un labyrinthe voilà, c'est pas juste une cartographie pour dire regardez ce qui se passe en France, c'est derrière aussi pouvoir agir et avoir une pression forte. Et voilà, je pense que c'est important. Et c'est justement, on parlait d'action plus frontale. Je ne sais pas si c'est un bon moyen, peut-être pour l'expérimentation animale, ça marche très bien, mais il y a pas très longtemps la nuit debout devant les abattoirs. Oui, oui. Ouais. Moi, j'en suis convaincue et notamment par rapport au privé parce que en fait, il faut savoir que Sanofi notamment a décidé de. Sanofi ne possède plus de singes, c'est-à-dire que Sanofi ne fait plus d'expériences sur les primates. En fait, ils sous-traitent. Ils sous-traitent auprès des laboratoires publics qui ont des singes. Donc comme ça, ils ont choisi de faire ça parce que ils avaient des revendications récurrentes à une époque, notamment à Lyon. Il y avait eu pas mal de choses contre Sanofi par rapport aux primates, etc. Et ils se sont dit oulala. Et il y a eu du coup, donc ça ne change rien. Hein, la recherche se fait toujours sur les singes, mais effectivement, ça resserre quand même la pression sur et ça permet d'avoir une visibilité aussi dans les médias parce que dès qu'il y a une action, voilà, ça intéresse la presse locale et finalement ça interpelle les gens et donc il y a un ricochet par rapport à ça qui est pas négligeable non plus quoi. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait se faire. Mais encore faut-il savoir où aller et que revendiquer, parce qu'il ne s'agit pas d'aller justement dans des lieux où, par exemple, ils vont faire de la recherche. Il y en a très très peu, hein, mais sur les maladies pour les enfants, enfin, ce serait complètement... voilà, donc il faut vraiment cibler des choses qui vont parler au grand public. Et comme je le disais tout à l'heure, voilà, l'association, elle travaille déjà, elle travaille dans un lieu où... C'est abominable et pour le coup, les gens seraient, voilà, on dirait non, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment trouver des lieux où en plus, on fait des choses qui sont pour le grand public de toute façon injustifiables. Et c'est là où je pense que c'est justement impactant, en fait. Ouais. Donc, et pour ça, voilà, il faut savoir ce qui se fait, quoi. Ouais, tout à fait. Non. Oui. Oui, est-ce qu'il est possible de savoir, quand c'est ce grand élan de générosité au niveau du téléphone, oui. Est-ce qu'il y a une part de ces dons qui risque d'aller alimenter l'achat d'animaux, des autorisations de l'association ? Oui. En fait, l'AFM Téléthon finance la recherche sur notamment plusieurs sortes de myopathies, dont la myopathie de Duchenne. Et c'est une forme de myopathie qui nécessite des expériences sur les chiens. Donc c'est des chiens qui sont rendus myopathes puisque c'est une maladie génétique et en fait il y a plusieurs protocoles de recherche sur les chiens notamment il y a des chiens qui sont témoins, c'est-à-dire qu'en fait on laisse la maladie évoluer jusqu'à ce que mort s'en suive, donc ils sont sans traitement, on les laisse en fait donc subir la maladie jusqu'à la mort. Et c'est des chiens qui sont absolument pas traités et ils sont un lot témoin de la maladie. Quand j'ai demandé en fait pourquoi on ne les traitait pas, etc., parce que je disais j'imagine que la maladie est à peu près toujours la même, non, pas du tout, il y a des variantes, etc., donc il faut toujours avoir un lot témoin. Et ensuite, il y a des chiens, du coup, qui sont malades et qu'on essaie de soigner ou pas, ou, voilà, sur lesquels on essaie tout un tas de choses, et on voit l'évolution sur le corps, l'organisme. Et c'est notamment beaucoup fait sur des golden retrievers. Puisqu'ils développent a priori selon les chercheurs une forme de myopathie de Duchenne très proche de celle qui affecte l'homme. En termes de résultats concrets par rapport à ça, pour l'instant il n'y en a pas. Il y a eu des progrès par rapport à des injections qui sont extrêmement récurrentes et qui permettent de ralentir un peu la paralysie musculaire.
Mais en l'occurrence, il n'y a pas encore eu de décès sur l'homme par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire, le progrès est mince par rapport au nombre. Enfin, si on met dans la balance, c'est pas un chien versus un enfant. C'est pas du tout ça. C'est des années de recherche sur des milliers de chiens et peut-être quelque chose. Donc, en tout cas, faudrait le dire. Le téléthon, c'est très compliqué parce que du coup, on touche aux enfants malades. Mais donc, on a l'impression qu'on présente un dilemme moral tout de suite aux gens. Mais en tout cas, je pense qu'il faudrait dire, ben non, l'honnêteté du téléthon, ce serait de vous le dire et là, ils ne vous le disent pas. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, très bien, mais ce serait quand même la moindre des choses que vous soyez au courant à partir du moment où vous faites un don. Et moi, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut présenter les choses par rapport à la transparence. Il n'y a pas moyen de passer cette information-là avant cette année. Si, en fait, moi, j'essaie tous les ans, et d'autres associations, hein, je ne suis pas la seule, enfin, ça revient très souvent. Le problème, c'est que c'est très compliqué, parce que s'attaquer au Téléthon, tout de suite, on passe pour quelqu'un qui préfère les animaux aux enfants, donc, parce qu'il y a ce prisme extrêmement réduit. Oui, c'est quelque chose qui... Je pense, enfin en tout cas, que je vais aussi essayer de porter un peu plus, quoi, parce que au moins que les gens sachent pourquoi ils donnent, voilà, exactement. Oui, tout à fait. Oui. Il me vient une question. Est-ce que tu as vu de l'expérimentation sur des animaux qui allaient servir à améliorer le bien-être d'autres animaux? Non. C'est-à-dire de nos animaux de compagnie? Non, non. Non, non. Si, ça se fait, ça se fait. Si, ça se fait. Mais non, c'est pas. Moi, j'ai vu des expériences de recherche appliquée et de recherche fondamentale, mais pour recherche appliquée pour l'homme et recherche fondamentale. Mais donc ça, j'ai pas. Est-ce que la règle des 3 R? Oui. Réduire, raffiner, remplacer. Oui. Ouais. Ben, en fait, elle est c'est un peu la réponse que je faisais tout à l'heure par rapport au comité d'éthique. Elle est mise en œuvre, remplacer, c'est censé remplacer l'animal par des méthodes alternatives, ça n'est pas respecté, puisqu'il y a pas mal de protocoles où c'est avéré, et ça se fait toujours, et il y a des méthodes alternatives qui existent, et donc là, il n'y a aucune sanction, enfin, ça continue en statu quo. Donc remplacer, non, ça n'est pas toujours, enfin, c'est loin d'être le cas. Raffiner, c'est par rapport à la douleur, c'est-à-dire c'est les points limites, en fait. C'est une traduction de l'anglais un peu maladroite, mais raffiner, c'est par rapport à la douleur. Donc c'est essayer de réduire la douleur, en fait, de l'animal, ou en tout cas de mettre fin, de l'euthanasier quand il souffre vraiment trop. Le problème, c'est que quand on fait de la recherche, notamment sur la polyarthrite, c'est une douleur intense, chronique, vraiment très sévère. Il y a une échelle de catégorie de douleur et c'est vraiment la catégorie 3, donc là il n'y a pas de raffiné qui tienne, en fait. Et ensuite le dernier, c'est réduire, c'est le nombre d'animaux, et ça se fait un peu plus, en tout cas par rapport au comité d'éthique. J'ai le sentiment qu'il faut vraiment renforcer aussi la lutte de l'idéologie contre le spécisme, et y compris sur des arguments aussi peu a priori aussi peu difficile à contre-argumenter, comme cette histoire de on va sauver des enfants en tuant des animaux, enfin en expérimentant sur des animaux. Je pense qu'il y a une vraie bataille biologique à gagner à ce niveau-là, qui demande un gros effort sur sans doute des décennies, mais que c'est très difficile de venir à bout d'expérimentation animale et de plein d'optiques d'exploitation animale. Si on ne remporte pas ce combat-là, quoi. Mmh. Et on n'engage pas assez ce combat-là, de vraiment dire, au niveau éthique, une souffrance, qu'elle soit d'un animal ou d'un humain, elle devrait être prise en compte de façon similaire. Mmh. Et sur la valeur de la vie, c'est plus compliqué éventuellement à argumenter, mais au moins sur la souffrance, mmh. Et en fait même sur la valeur de la vie, parce que c'est la valeur de la vie à cause de sa propre vie, c'est très difficile à... Et que, en tout cas, c'est le jour, en tout cas, où un doute existera dans la société sur la validité de ce genre de comparaison. Oui. Ça sera d'être une sorte d'évidence. Oui. Il me semble qu'on aura emporté un énorme morceau. Oui.
Oui, non, mais tout à fait. Et c'est aussi, je pense, parce que, enfin, voilà, du coup, le problème de, et c'est, moi, c'est ça qui me choque par rapport à l'angle scientifique, c'est que c'est toujours amené à une nécessité, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Et donc, à partir du moment où on n'a pas le choix, on a envie de dire, bon, ben, certes, la viande, on peut s'en passer. Là, on n'a pas le choix. Donc, et c'est aussi pour ça que c'est un peu le dernier bastion, quelque part, de la cause animale, parce que c'est très compliqué. Et effectivement, à partir du moment où on sème le doute, notamment sur les pratiques et la cruauté de ce qui se fait, et donc, c'est pour ça, penser qu'ils sont bien traités, les animaux de laboratoire, c'est une aberration. Mais je pense que c'est aussi ça qui permet de, voilà, de remettre les choses à leur place, parce que quand on sème aussi le doute sur ce qui est fait, la cruauté des pratiques, tout de suite, il y a quand même un choc sur l'interlocuteur, quoi. Finalité ou pas, du coup, on met ça un peu de côté parce qu'on est choqué par ce qui se fait et ce qui est toléré, et voilà. Je pense que... On reprend ce que vous dites. L'argument antispéciste, bien sûr, il faut le développer à la science. Il n'est pas du tout aussi peu audible aujourd'hui. Par exemple, sur les actions contre la vivisection, une des phrases emblématiques, c'est « Moi, entre la vie d'une souris et la vie de ma fille, je n'hésite pas. » Là-dessus, tu commences à argumenter pour expliquer que ça ne se passe pas comme ça. C'est pas manichéen, c'est pas ta fille contre les souris, mais on ne veut plus rien entendre. On ne veut jamais qu'on mette dans la vanne. On peut argumenter sur la vanne. On peut dire tu vis, tu survis, regardez-nous sans viande. Quand on leur explique que l'expérimentation animale, c'est pas la souris contre l'enfant, ça marche plus. D'ailleurs, je vais vous voir un chiffre. L'expérimentation animale, en fait, pour la santé, d'après les chiffres officiels, elle est combien ? Elle est hyper minoritaire. Alors, le problème, c'est que justement, tout est fait pour qu'on ne le sache pas. Puisque, si on regarde en fait les intitulés, il n'y a pas marqué vaccin, santé, produits chimiques, polluants agricoles. En fait, tous les intitulés sont complètement flous. C'est-à-dire que si on. Je vais vous les lire parce que c'est vraiment en tout petit. Enfin, je vous avais lu. Donc, en bleu, c'est recherche fondamentale. En vert, c'est recherche et développement en médecine humaine. Donc, c'est ça qui est à la limite le plus concret qui soit. La toxicologie, c'est 9%. Et ensuite, en jaune, c'est production et contrôle de qualité en médecine vétérinaire. Donc, ça, c'est uniquement vétérinaire. 11%, c'est en violet. Excuse-moi, je te coupe. Oui. C'est vétérinaire, oui et non, parce que c'est pour protéger la santé des humains. Exactement, c'est-à-dire que dedans, en fait, quand je parlais de l'INRA notamment, ça rentre aussi là-dedans, par exemple. Ça peut rentrer là-dedans, en fait. Tout ce qui concerne l'élevage, les conditions des animaux, enfin l'adaptation, en tout cas. Et en violet, c'est production et contrôle de qualité en médecine humaine et dentisterie. Et 9% autres, là, on sait absolument pas, en fait. Donc, c'est le rose clair. Et le petit bleu 1%, c'est enseignement et formation, et le violet foncé 2% diagnostic de maladie. Voilà. Donc en fait, on n'a aucun chiffre. En fait, ce qu'il faut à partir de là, et c'est ce que j'avais fait pour le cancer, c'est en fait faut recroiser avec d'autres chiffres qui sont plus détaillés par rapport à ce qui se fait dans chaque partie. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut dissocier à chaque fois ce qui est fait pour la santé humaine, ce qui est fait en recherche fondamentale mais sans application pour la santé humaine, ce qui est fait pour purement les pesticides par exemple, les polluants agricoles, ce genre de choses. Enfin, c'est très compliqué de savoir si on est en fait dans de la médecine, si on est dans de la toxicité, de la pollution, de l'environnement. C'est pareil, les addictions par exemple, ça n'apparaît pas ici. La psychologie ou la psychiatrie, on se demande où c'est, en fait c'est en recherche fondamentale. Mais on ne le voit pas, donc les catégories elles sont absolument pas claires en fait. Et du coup, bon, bah, on se dit tout ça c'est pour la santé. Enfin, on a l'impression que tout le diagramme c'est la santé humaine, quoi. Donc, je trouve que le public se met du côté, se sent dans les yeux aussi, hein, parce qu'on s'imagine bien que si on fait contracter une maladie à un animal, il souffre, parce que si nous on souffre d'un cancer, l'animal souffre aussi d'un cancer. Oui, tout à fait. Mais. Encore une fois, je pense que la force des images qui est véhiculée dans les médias ou qui est tellement lisse, je pense qu'on s'imagine un environnement aseptisé, propre,
ou voilà, on fait juste une piqûre de temps en temps pour un vaccin ou ce genre de choses, quoi. Et donc, pourquoi on dénonce bien la souffrance animale dans les abattoirs et pas dans les labos? On s'imagine quand même que dans les labos, c'est pas tout clean, tout. Oui, bien sûr, mais c'est vrai qu'en plus, c'est très compliqué. C'est-à-dire que par exemple, moi, mon livre, quand il est sorti, on ne savait pas du tout quelles répercussions médiatiques il y aurait avec mon éditeur. Et il se trouve que dans le mois qui a suivi, il y a eu beaucoup d'annulations, d'interviews, de choses comme ça qui étaient prévues sur des gros titres de presse écrite, enfin, sur lesquels on comptait énormément en fait. Il y avait Elle. Enfin, donc le magazine féminin qui est partout dans les salles d'attente en plus des médecins. Enfin, donc il y a eu le Grand Journal. Enfin, il y a eu vraiment des choses énormes qui ont été annulées. Donc moi j'étais désespérée et en fait c'était parce que les laboratoires sont annonceurs ou font partie en tout cas des groupes de médias et avaient fait pression pour ne pas parler du livre, qu'il n'y ait pas de recensement. Ouais, donc c'est à chaque fois il y a des collusions d'intérêts qui font que c'est encore plus compliqué que le lobby de la viande. Le pouvoir est énorme en fait, et le pouvoir financier est énorme, et du coup c'est encore plus fort que le lobby de la viande notamment. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que la situation, il y a 25 ans, on ne parlait pas du tout de la viande. Tout à fait. Ouais. On parlait de la bisection. Exactement. On parlait de la bisection, mais on en parlait d'une façon qu'il a resté confiné à un ghetto, c'était des monstres, c'était une fraude scientifique, etc. Et sans parler vraiment des animaux, enfin, c'était au niveau émotionnel, on parlait des animaux et quelque chose, mais sinon c'était purement des arguments humanistes. Et la question de la viande, c'est apparu parce qu'il y a eu 25 ans de combat derrière, acharné, pour la faire émerger. Tout à fait. Non, mais c'est vrai. Et en plus, moi je vois, il y a beaucoup de gens qui me disent on avait l'impression que c'était fini, enfin le combat contre la vivisection, qu'on n'en entendait plus parler. Et effectivement, enfin, on se rend compte que. Et c'est là où, justement, enfin, malheureusement, les laboratoires, les chercheurs, etc., à force de dire que c'est encadré peut-être, que voilà, ça a permis de lisser l'image et de faire comme si tout allait bien, en fait. C'est aussi quelque chose qui est pernicieux. Oui. Il y avait la fameuse circulaire qui avait interdit les dissections animales dans l'enseignement du second degré. Ouais. Cette procédure a été cassée par le Conseil d'État sur la demande d'un syndicat, donc on peut plus qu'avoir honte, c'est le SNES, à la branche des profs de SVT, qui ont d'accord et arrêté la reprise de ces dissections. Je ne sais pas, donc j'étais le 2 juin, je vous avais écouté à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il en est? Je sais que M. Marguineau, façon d'être prêt à monter le créneau un peu, parce que ce sont des questions juridiques, ce n'est pas des questions de fond, mais actuellement, là, à ce jour, est-ce qu'elles ont repris? Alors en fait actuellement c'est autorisé et c'est en fait au choix du professeur en termes de sanctions aussi s'il y a des élèves qui veulent pas le faire, c'est complètement en fait au cas par cas et en fonction du choix du professeur. C'est quand même incroyable, mais c'est autorisé. Il a complètement interdit ça dans ce second degré, des fois sanctions en cas de transgression. C'est un cas incroyable que la France soit archaïque. Il n'y a pas eu de pétition d'élèves. Il y a eu une pétition, oui. On ne veut pas reprendre ces barbaries qui ne nous apprennent rien avec les moyens modernes d'imagerie. Disons, regardez ce qu'il y a dans le corps d'un animal. Oui, tout à fait. Hein, qui le devine, ils n'apprennent pas en trucidant leurs passagers pour s'essayer. Ils ont besoin de simulateurs. Donc, on peut quand même faire ça aussi pour les animaux. Et voilà, est-ce qu'il y a un mouvement qui partirait de la base, de la jeunesse? Alors, je sais qu'il y avait une pétition juste après la décision qui circulait. Honnêtement, je ne sais pas où ça en est. Je l'avais vu. Mais après, je sais que la ministre avait répondu, ce sera à chaque professeur d'en décider, et libre à eux, voilà. Mais ce qui m'a beaucoup interpellée sur ce cas-là, c'est qu'en fait, quand on lisait, à chaque fois, il y avait des pour ou contre dans les médias entre des profs. Et il y avait ça, mais il y avait surtout, enfin, ce qui mettait en avant, c'était le côté rite. Le côté rite initiatique. Et ça, vraiment, c'est revenu plusieurs fois. Enfin, je l'ai vu dans plusieurs articles et interventions à la radio, etc. Et vraiment, les profs disaient que ça fait partie
Et je l'ai vraiment lu plusieurs fois. Aujourd'hui, les élèves ne voient plus, ne sont plus confrontés avec la mort, que ce soit au supermarché, où ils n'ont plus cette expérience-là. Et le cours de bio avait été un peu une institution scolaire pour les dissections, parce que c'était un moment de confrontation. Et ce côté-là était très présent à chaque fois. Je suis bien d'accord. Oui, c'est évident, mais ça revient en tout cas beaucoup plus que pour le côté pédagogique, quoi. Ça, c'est clair qu'à chaque fois, c'est plus... C'est l'argument qu'on utilise quand on a rien d'autre à dire. Ça me fait penser à Cohen, le nutritionniste, qui invoque la Bible pour manger de la viande, dans les médias, et à peu près même avec le conseil de l'ordre, bien sûr. Alors en fait, ce qui est compliqué, c'est que j'en ai parlé avec une marque qui s'appelle Le Petit Olivier et qui ne teste pas sur les animaux et qui le marque derrière. Et en fait, ils m'ont dit, le problème qu'on a, c'est que depuis 2013, il y a une directive en mars 2013 qui est passée qui interdit les tests cosmétiques sur les animaux dans l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il y en a deux. D'abord, il y a pas mal d'expériences qui sont passées en toxicologie, en fait. C'est-à-dire que c'était cosmétique, ça a changé de catégorie. Et ce qui se faisait, en fait, sous l'égide cosmétique, ça se fait en toxicologie. Et le second problème, c'est que les marques qui commercialisent leurs produits, notamment en Chine, où c'est obligatoire, pour rentrer sur le marché chinois, de tester sur les animaux, à partir du moment où ils commercialisent là-bas, ils testent forcément. Donc, ce que me disait en fait la marque, donc le petit Olivier, il me disait le problème juridique qu'on a, c'est que maintenant qu'on écrit derrière, qu'on s'oppose, parce que c'est vraiment marqué contre les tests sur les animaux, ils ont le logo, etc., One Voice, ils sont en fait, eux, on leur a reproché d'être dans l'illégalité parce qu'ils jetaient le doute et le discrédit sur les autres marques, parce que normalement c'était censé ne plus exister. Et donc à partir du moment où eux marquaient ça, ça voulait dire pour le consommateur peut-être que les autres le font, donc alors que normalement c'est interdit. Et du coup on leur avait gentiment dit, vous pouvez dire que vous ne testez plus mais ne le marquez plus sur vos produits, enfin, donc ça devenait compliqué. Et du coup je pense que ça c'est un problème qu'ont dû rencontrer d'autres marques. Après il suffit de savoir quelles marques ne testent pas en fait et ont un label, mais il y a aussi des marques qui ne testent pas et qui n'ont pas le label parce que c'est lourd en termes de, c'est ce que m'a expliqué One Voice notamment, en termes de pas d'administration mais de c'est compliqué quoi, enfin c'est pour avoir le label, donc ils ne testent pas mais ils ont eu le label à une époque, ils l'ont plus, mais enfin donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Mais ben, il y en a plusieurs, il y a One Voice, c'est un rond avec un tigre, il y a marqué One Voice. Il y a un lapin qui s'appelle le Leaping Bunny avec des petites étoiles au-dessus. Il y a le label de PETA aussi, Cruelty Free. Donc il y a plusieurs logos en fait. Oui, par rapport à la concurrence, parce que comme c'est en fait. Mais bon, après, il y a... Et pareil, en marque de lessive, il y a des marques qui revendiquent comme... Reynette, par exemple, c'est marqué derrière. Ça n'est pas testé sur les animaux. L'arbre vert aussi. Donc, bon, après, il faut essayer de choisir ces marques-là, effectivement. Mais on trouve beaucoup de listings sur Internet. C'est assez simple de trouver, justement, en fonction des logos, quelles marques, et juste de changer ses habitudes. Au début, ça prend un peu de temps, mais après... Enfin, une fois qu'on a pris l'habitude avec les marques, c'est bon. Une action qui est facile à faire, nous on l'a fait. On va faire des pharmacies. Et puis, on va dire aux élèves, on va et on leur demande quels sont les profs qui les obligent maintenant à taper les rangements sur les vides et tout. Ils nous ont dit, il est au premier étage, là, il va arriver à telle heure. Bon, alors on était 15. Les élèves étaient bien en rang, ils ne nous avaient pas du tout se avancer. Il y en a de nous après un discours en disant voilà, on vous annonce que les mœurs sont en train de changer, etc. Et puis le prof arrive, alors c'est là où on a eu un gag un peu rigolo. Il y avait parmi nous une femme qui a élevé le théâtre, à l'époque, une brésilienne très audacieuse. Elle dit, vous savez pourquoi votre prof est cruel?
et elle met la main sur le sexe du proche et lui passe qu'il est impuissant. Enfin, la boule à sa manière exprimée, la grâce émotionnelle. Alors, bon, il y a eu pour nous beaucoup d'étudiants très chaleureux, et puis quelques-uns des fanatiques que vous m'avez frappé. Ceci dit, la police est arrivée, ceci dit, comme les matroseurs, comme les parties, tout ça. Mais c'est une action sympa, vraiment super. Mais je pense que pareil, enfin, sensibiliser les étudiants, c'est aussi, enfin voilà, c'est important. Enfin, ça fait partie de la pédagogie, quoi. Ouais. Mais non, mais ça c'est évident. Ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une remarque, c'était, Ira disait tout à l'heure, agir en amont par différents variants sur le modifiant de code de consommation alimentaire et donc environnementale pour être moins malade. Donc, ça, évidemment, ça fait partie, on agira largement sur les maladies les plus répandues et celles qui rapportent le plus au laboratoire. Mais. Là, déjà, le système encourage les nouveaux MeToo en question, oui. Puisque c'est les génériques qui encouragent ça, puisque au bout de 10 ans, le brevet tombe dans le domaine public, ne rapporte plus au labo, puisque c'est les génériques qui vont être délivrés à la place. Donc, du coup, le laboratoire, pour maintenir son chiffre d'affaires, va modifier un petit peu sa molécule. Donc, là, du coup, j'ai un petit peu moins d'effets secondaires, ou je prends une prise au lieu de deux, donc c'est vachement mieux pour le patient et tout. Enfin, voilà. Mais c'est le système même de. Qui fait qu'on a décrété qu'au bout de 10 ans, on va mettre le produit générique pour que ça coûte moins cher à la sécurité sociale, et ce système-là favorise du coup les MeToo. Donc c'est un petit peu. C'est pervers le système. Et puis, d'autre part, là c'était plus une question que je posais pour revenir au test sur les humains, pour le coup, hein, c'est-à-dire on a les méthodes alternatives, à un moment on est obligé de passer au test sur les humains. Et donc là, je vais prendre des pathologies sur lesquelles l'alimentation, par exemple, n'a pas d'action. C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir autrement que. Et là, la question se pose, c'est finalement, est-ce qu'on soigne, est-ce qu'on décide de soigner, ou est-ce qu'on dit, ben, tant pis, on ne soigne pas, et du coup, on ne fait pas d'expérimentation. Parce que, quoi qu'il arrive, il faut faire une expérimentation humaine. Oui. Et donc, oui. À un moment, si on dit, ben, on ne paye pas les gens pour être volontaires, je ne crois pas qu'il y aura beaucoup de volontaires pour le faire. Il y en aura quasiment un. Et puis, transposable après au niveau de la médecine vétérinaire, là, on ne peut pas demander de consentement à un chien pour soigner un autre chien. Enfin, des études pour mettre au point un médicament pour des chiens, on ne peut pas demander des consentements éclairés à des chiens qui, eux, vont faire partie des études. Donc, on se heurte à un problème, à un moment de qu'est-ce qu'on fait ? On soigne ou on ne soigne pas ? Oui, après, c'est vrai que le cas vétérinaire, c'est quand même une exception. Et c'est quand même l'exception où voilà, on se dit, alors là, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que ça fait un peu. C'est toujours les questions où on se dit, c'est la question piège sur le sujet, et parce qu'effectivement, c'est compliqué. Et pour l'instant, pour moi, cette question, elle se pose pas, en fait. Parce qu'il y a tellement à faire avec, avec tout ce qu'il y a déjà sur la table que du coup, je me dis, bon, avec le cas vétérinaire, on verra. Mais est-ce qu'on décide de soigner ou pas ? Oui, après, ben, c'est la question des volontaires sains, et c'est la question, après, c'est une question d'éthique médicale par rapport à l'humain. Enfin, c'est des questions d'éthique médicale sur l'humain et du coup, c'est vrai que moi, c'est ni mon combat ni mon propos. C'est une question. Après, oui, pas oui, oui. J'ai mon opinion personnelle, mais c'est vrai que c'est pas voilà. Après, ce que l'homme fait à l'homme, etc. C'est pas mon mon fardeau. mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de il y a effectivement beaucoup de progrès qui sont faits, en tout cas en recherche. Sur des protocoles qui sont proposés aux malades et dont on ne parle pas parce que c'est un peu tabou, parce que c'est un peu expérimental et parce qu'il y a des risques et parce que voilà.
Donc ça, c'est quelque chose où, pareil, on n'aime pas trop en parler. Mais de même que les essais sur les volontaires rémunérés, hein, c'est quelque chose qui est aussi encore tabou. Et s'il n'y avait pas eu le scandale de Biotrial, je pense qu'il y a, plein de gens qui ont appris qu'on pouvait faire ça, mais qui ne le savaient pas forcément. On peut les faire en Inde aussi. Mais, oui. C'est de la voie française. Tout à fait. Donc, mais après, c'est plus une problématique d'éthique médicale humaine, et c'est vrai que là, bon, après, moi, c'est pas mon domaine. Mais, en tout cas, je pense qu'avant d'en arriver là, on peut quand même. Avant de toucher la question de est-ce que il faut soigner ou pas les volontaires, etc., c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'expériences déjà redondantes. Non, je rebondissais par rapport au fait de rémunérer. Oui. Ne pas rémunérer. Ouais. Du coup, on se retrouve face au fait qu'il n'y en a pas. Mais ils sont forcément malades. Oui, pour être. Oui. Après, je pense que là, je vais vous avoir aidé en cours de conversation. C'est aussi revoir aussi notre façon de voir la maladie et la mort. Ouais. C'est vrai qu'il y a un courant parallèle à tout ça et qui peut-être finalement nous aider pour qu'on l'ait pensé avant. C'est le courant qui réfléchit sur l'euthanasie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le droit de se poser la question d'arrêter la souffrance, effectivement, ça relativise aussi la nécessité des médicaments, etc. Donc il y a peut-être finalement aussi quelque part sur cette réflexion sur le droit à l'euthanasie personnelle, etc., une évolution qui serait moins de tests. Mais en plus, ce qui m'a beaucoup choquée, notamment dans la recherche sur tout ce qui concerne les maladies neurodégénératives, c'est que les chercheurs disaient à quoi bon ? Et c'est terrible parce qu'ils faisaient cette recherche-là sur Parkinson ou Alzheimer et ils me disaient on a bien conscience que de toute façon, qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche, ça fait 10 ans qu'on torture des singes pour éventuellement prolonger de 5 ans des états qui de toute façon sont inéluctables puisque de toute façon. On n'est pas immortel et de toute façon, le cerveau ne peut pas. Il y avait cet aveu finalement d'impuissance par rapport à un état qui est celui que forcément il y a une dégénération neurologique à partir d'un certain âge, plus ou moins tardif, plus ou moins. Mais qu'est-ce qu'on cherche à soigner dans l'absolu ? Qu'est-ce qu'on cherche à prolonger dans l'absolu ? Dans quel état ? Et du coup, il y avait aussi cet aveu de par rapport aux chercheurs qui travaillaient là-dessus, de. À quoi bon faire tout ça aussi ? Si c'était pas pour des motivations financières, finalement, on travaillerait sur d'autres maladies sûrement. C'est plus compliqué, par exemple, parce que là, on parle de maladies qui aboutissent à la fin de vie. Oui. Et par exemple, on a une personne jeune en très bonne santé, par contre, elle souffre de douleurs très intenses. Donc là, on dit, on doit faire de la recherche pour trouver un antidouleur intense. Donc là, la question posée, c'est. Revenir à l'euthanasie, du coup c'est l'euthanasie parce que là, ou alors on recherche, c'est vachement complexe au niveau philosophique. Oui. Mais c'est aussi savoir se libérer aussi de cette volonté absolue, de l'immortalité, c'est ça. C'est une critique que, pareil, de voir l'humain, l'humanité, notre projection dans l'avenir, et tout ça. Oui, non, mais tout à fait. Alors, je vais vous parler d'un nazisme largement répandu, y compris par nous. C'est le FDF dans un niveau, c'est pas encore, moi j'ai beaucoup milité pour l'anti-fascisme, mais les pigeons, il y en a partout, dans toutes les villes, et c'est une inertie totale parmi la population. On les asphyxie sous vide par groupe de 10 000, il reste 3 000 enfermés dans des filets, on meurt, mais c'est atroce, la situation des pigeons nous concerne tous. C'est nos élus qui font le dépigeonnage, c'est avec notre argent qu'ils le font, et on reste entièrement passif. Je connais très peu de. Je comprends pas le rapport avec l'expérimentation. Pour les voir sur le site, l'ambassade des pigeons, qui préconise la solution. La solution, c'est le prisonnier alternatif qui stérilise les pigeons. On peut voir les plans comme on a fait avec les grenades et tout, et en retournant les salles, ils ne sont pas séparés. Parce que les pigeons, plus on les tue, plus ils se reproduisent. C'est une bonne espèce. Donc nous sommes dans la plupart même ici, au système de la France, on est resté
Oui. Je déteste des médicaments homéopathiques. Alors, l'homéopathie, c'est une bonne question parce que, pour le coup, je sais pas. Enfin, je sais qu'en fait, à partir du moment où un médicament, à partir du moment où un médicament est mis sur le marché, il a en fait donc l'AMM et donc il passe sur l'expérimentation animale. L'homéopathie, je sais pas comment ça se passe. Du coup, là pour le coup, je ne saurais pas répondre. C'est bien. Je vais chercher. Oui. Je sais pas. Enfin, honnêtement, l'homéopathie, je. Comment? En fait, la meilleure source de renseignement, c'est d'appeler les marques à chaque fois ou de remonter. Enfin, mais du coup, pour l'homéopathie, c'est auprès du pharmacien. Enfin, honnêtement, je ne sais pas du tout. L'homéopathie, c'est j'ai aucune connaissance là-dessus par rapport à l'expérimentation. Il n'y a pas d'autres questions? Non, c'est bon. Parce que j'ai oublié de le dire, j'ai l'impression que je le dis, ça fait toujours un peu marketing, mais je ne gagne pas d'argent sur le livre, je reverse les droits d'auteur à 4 associations, parce que c'était avant que je crée la mienne, et donc voilà, le livre, je ne gagne pas d'argent avec les animaux de laboratoire, et c'est reversé à 4 associations qui étaient les associations qui me paraissaient les plus légitimes par rapport à l'expérimentation animale en France, Antidote Pro Anima, le CCEA qui milite aussi contre l'élevage de mésie en Bourgogne, qui est un élevage de chiens, qui notamment fournit les chiens pour le Téléthon, et International Campaigns, puisque je connais très bien aussi Éric Moreau qui s'occupe de ça et qui dénonce avec beaucoup de happening l'expérimentation animale. Donc voilà, je voulais juste préciser que ce n'est pas un livre, en tout cas, qui a une visée commerciale ou personnelle, quoi. Voilà.